Bon, j'ai quand même un stream à faire, même si j'ai envie d'écouter cette... cette merveilleuse version au cas où qui est magnifique. Et qui m'encule de rire, vraiment. Hop, voilà. Oh, putain de merde. Je t'apprécie énormément, Hunter, pour m'avoir donné ce magnifique cadeau. Oui, Apo, tu viens de remarquer que je suis dans le fond de cette image. Ah, mais non, mais ça m'encule trop, le casou, putain. Attends. Salut Hoffman et merci pour le sub, poteau. Enfin, re-sub. Salut Funeral, salut Hunter, salut Mireille, salut Scholar Vibes. Salut mon ami Speedé. Ok, ouais, pourquoi? Salut Derutopia. Salut Apo, salut DP, ça va les gars ou quoi? Ah. Donc oui, attends, je vais mettre la vraie version en fond du coup vite fait. Hop, non, attends, ta gueule un peu par contre. Ah non, 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 ça a niqué leur diff, non, ta gueule, je m'en fous, ha, lul. Du coup, ouais, ce soir, on va s'attaquer au premier. Voilà. Tout le monde m'a dit... Eh, attends, tu vas en chier. J'y crois pas. J'ai 12 heures de jeu sur le jeu, et j'ai pas l'impression de m'être fait enculer une seule fois. Donc bon, bah là, je suis en stream, du coup, bah, inch'Allah, forcément, je vais me faire rouler dessus, mais... Mais je ne vous crois pas. Alors du coup, j'ai pas lancé le jeu parce qu'il y a une petite cinématique que j'ai envie de montrer. Voilà, je fais ce que je veux. Et mais ça va gueuler du coup au début vite fait. Voilà, je le dis. Alors hop, gaming. C'est normal, il y a rien. C'est parti. S'il te plaît. Yeah. Moyen, le jeu il crash. Non, c'est bon. OBS, tu peux me le capturer le jeu, please. Merci. J'ai pas mute quand même le jeu. Le son est vague. Y'a pas de son. Y'a pas de son. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y'a pas de son? Ah, c'est bon, c'est bon. Coucou Drag, ça va? Ça va de se faire enculer sans s'en rendre compte? Bah ouais, prends un petit peu de GHB, tu verras. Il s'appelait Gérald de Rive. Oh. Ah, du coup, en même temps, est-ce que le son il est bien? Genre, est-ce que c'est. Ça va? Sur 10, c'est. Comment? Voilà. Ça a l'air cool, parfait. J'ai fait les réglages 5 minutes avant le stream. Voilà, je tiens à le dire. 2, toi bien. Les voix sont un peu basses, ok, bah je les mettrai à fond du coup. Ouais, bah je baisserai un petit peu la musique et je mettrai waf. Mais les voix elles sont à 9.5, je sais pas si on m'entend bien du coup. Les voix elles sont à 9.5 là, sur 10. Je pensais que pas que ça allait baisser autant, mais je baisserai les musiques et je montrerai les voix. Je m'en souviens plus. Je la regarde parce que je m'en souviens plus du tout. C'est où ça? Ah mais c'est contre la meuf du roi, non? C'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, elle me dit, ouais, je ok, j'ai bien noté. Je changerai après. Ouais, je peux pas changer, sinon ça va couper la cinématique. De toute façon, elle a l'air juste de la baston. Est-ce qu'on la strige, ouais. Ouais, la meuf du roi. Ouais, c'est ça, c'est la strige du premier livre. Et franchement, ça donne pas envie d'y jouer, là. Ça donne pas envie de démonter tout ce qu'il peut. Oui, bon, oui. Nick Day. J'aime plus quand est-ce que ça a lieu dans le jeu en vrai. Parce que je crois que le début t'as Kaer Morhen et tu niques juste des fils de pute. C'est pas possible. T'es un Witcher, mais je te crois pas. Pas d'aussi haut. Ah non, pour. Je sais plus de quand il date le jeu. Loin, ça c'est sûr. Mais il est loin d'être dégueu, la cinématique est loin d'être dégueu. Même si ça se voit que c'est vieux, tu vois, mais. Ça bave. Bon, là, ça bave un peu, mais. C'est pas gerbant, quoi. Oui, ça a des réflexes de félin, mais bon. Le félin, je lance du 7ème étage, il meurt. Hein. Oui,
Je compte en parler un moment, Russian. Mais ouais, entre le 1 et le 3, je pense qu'on n'a jamais eu un glow-up aussi magnifique que Geralt. Et là, il est en train de foutre des pains à une strigue. Qui arrache des corps humains en deux. Nég, ouais. Mais ouais, le fait qu'il soit moche, bah ça colle plus au bouquin, quoi. Parce qu'il est dégueu. Il est dégueu, c'est tout. Les coups de cac alors qu'il est à l'épée. Mais parce que mettre des pains, c'est mieux, Spider. Quand est-ce que tu te... Spider! Les pains! Dans ma gueule! Versus l'épée dans le foie. Le... Voilà, je t'ai fait de dessin. Casser des dents, c'est mieux. Et en plus, je vais pas le tuer. Ouais, mais le fait qu'il nique en boucle, c'est qu'il va 95% aux putes. Parce qu'elles s'en foutent. Voilà, déjà. Et après, quand il ramène des bestioles horribles et qu'il commence à draguer... Haha, il ne drague pas vraiment, entre guillemets. Et quand il drague des filles de roi, tu m'étonnes qu'il nique. Mais c'est vrai que dans le 3, il est beaucoup trop beau gosse, c'est n'importe quoi. Oh là. Alors le jeu est vieux. Ça se voit. Ça s'entend. Si si, c'est dit, bah, il est pas horripilant, mais il est dégueu. Non, c'est pas Ignis, c'est pas du feu. Ce smug, quel connard. Regardez-moi, il fait des trucs avec les mains. P.D. Dans le bouquin, Geralt est pas du fort. Du fort, en réalité. Ah, et pas de Cameron, en réalité. Trois quarts des combats, il y a limite de mourir. Oui, bah, ouais, bah... Dans les jeux, enfin là c'est ce qui va se passer. Hein. Ça c'est génial. Ça c'est trop bien par contre. Il l'a calmé direct. Oh ça c'est gratuit ça. Ouais je sais pas pourquoi dans le 3 il a un gigantesque balai dans le fion qui va du fion jusqu'à derrière la tête en fait. C'est un arbre, c'est un carré, voilà. Non. Ah! Non? Je croyais qu'il allait hurler plus fort que lui. Genre, c'est un putain de rugbyman. Salut à Thomas, ça vous quoi? Bah. Oh. Ouais, non, mais les chorégraphies à la Conan, c'est génial. Hein. Je sais pas si. Je me souviens plus trop du gameplay. Alors, je vais peut-être dire un truc très caverneux. Oula. Après qu'il y avait R2, non. Juste con, peut-être, tu vois. Mais le gameplay du 1, même s'il est plus rigide, je crois que je le préfère au 3, qui est plus casual et moins... comment dire... développé. Ah, je me souviens pas bien, du coup. Si j'ai cliqué la carte... Merde. Putain, je sais plus du tout, alors. Bon, ouais, j'espère que vous aimez bien... Dodonpachi ou Danse Révolution parce que let's go hein. C'est un mini... Merde je suis un pas. Putain. Bah attends mais je joue au 1 ou pas? Mais merde. Attends je me souviens... Bah merde. Mais quelle est cette base? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi j'ai pas juste joué? Oh. She hot. Pourquoi j'ai pas juste fait Splinter Cell Chaos Theory à la place. J'aurais pu mettre une main dans le slip, une main sur la manette. Et ça aurait été génial. Mais là non, là je vais devoir danser là. Oh, puis attends. Le mal, la malédiction et devint célèbre. Je m'attends à ce que le monde changea. Ce fut la grande guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Geralt de Rive disparut. Oh, Geralt de la Rive. Ah, c'est moi le sound design. Je travaille à CD Projekt. Ah. Faut dire aussi que dans le jeu, Geralt il est bien plus petit que dans les livres et ça se voit avec le 3 et la bonne alchimie. Ah, mais c'est normal, mec. Est-ce qu'il y a mon... Oh, j'ai eu peur. C'est normal qu'il soit plus pété, je lance après, hein. C'est normal qu'il soit plus pété dans le jeu. Imagine, tu fais une pâle copie du livre,
c'est la merde. Enfin, ton perso, il se fait éclater tout le temps. C'est nul. T'as bien 12 heures sur le premier et 1 heure sur le 2. Ouais, ouais, je sais pas comment... En fait, le 2, je crois que je l'ai vu entièrement. En vidéo, je crois. Du coup, le refaire, ça m'a pas intéressé. Mais le 1, y a personne qui a envie de le faire. J'ai vu nulle part. Les seuls qui le font, c'est des pauvres Russes qui sont perdus. Donc bon. Alors, si, parce que je sais pas. J'ai vu que ça allait me casser un peu les couilles. Voilà, je sais que le jeu, il date, mais... hop. Oh, c'est lointain avec ça, moyen. Hop, et puis... ah si, attends, y a aussi... Il y a aussi ça, c'est où? Voilà, le mode de caméra. Alors, I don't even. Je comprends pas ce qu'il dit. Troisième personne, hein, parce que tu pourrais te mourir, mais voilà, je comprends pas. Bon. Ah. En même temps, t'as pas forcément envie de jouer à un gars qui peut mourir si on lui souffle dessus un peu trop fort. Oui, bah c'est pas ça non plus, mais c'est malin, quoi. C'est où les ch'tombs? Ils sont. Ils ont dit que c'est un gars du Zygarde Fallout 1. Ah, mais ça va être n'importe quoi, jouer en isométrique, ça va être trop compliqué, ça, par contre. Ça va être trop cher, vas-y, on y va. Oh non, mais j'ai des Witcher. Facile, moyen, difficile. Ça va être en moyen, hein. Oh, la musique. Ah, oui. Ah, mais attends, je vais mettre un truc. Attends. Hop. Ouais, tu vois, les... Hop, voilà, et musique, bon, je vais mettre à 3. Ça, 7. Voilà. Non, ok, non, c'est trop nul. Voilà, c'est ok, tu baisses d'un un poil, ça t'encule. Ça m'a l'air bien là? Moi, ça m'a l'air pas trop mal. J'attends vos résultats. Réponse, plutôt. J'ai vu la game premier, les jetons sont triangulaires, ça passe. Non, alors, c'est quand je cherchais une photo. Pour poster pour mon tweet, il y avait un des premiers résultats, c'était une meuf avec des gigantesques nibards. Mais vraiment, hein, c'est fin du 95 double D le truc, j'ai vu flou. Et après j'ai trouvé la statuette du 2 qui était pété et j'ai fait ami, mais c'était rigolo. Mais oui, apparemment il y a du tété, il y a du nibard. Mais on le verra peut-être pas ce soir, je sais pas, bon, let's go. Quoi? Ouais, bah avec la vis, oui. Mais ouais, non, il date du 95. C'est quoi, c'est Omega, ça? Il se fait enculer, va. Je sais pas, il a quel âge? Il doit avoir 10 ans minimum, je pense. Mais non, il est clairement pas si dégueu que ça, je trouve. Ne répond pas, The Witcher ne répond pas. Non, c'est bon. Je joue à The Witcher avec du Luigi à l'époque, c'est vraiment cool, mon gars. Après la Grande Guerre... Oh, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. 5 années. La grande peste et la famine font rage. Ah ouais, ça je connais ça. Enfin, quelques unités on a connu. Et elfes, réfugiés dans la forêt. C'est pas trop fort le son par rapport à ma voix. Du coup, préparent à la bataille finale. En 2007, voilà, il date de ouf, hein. Je fais pas le calcul, j'ai pas ses doigts, mais. Gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un poil fort, putain. Un peu partout dans le monde. Moi, je m'étais. Les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. Si je fais échappe, j'ai peur de couper la cinématique. À Kedwen, au nord des montagnes bleues. 1270. Je m'excuse. 5 ans après la Grande Guerre. Oh, éclair, oh là là. Oh, vieux fait ça. Oh là, oh là. Oh, j'ai mal. Pro-boultage, hein. C'est sur mon CV, voilà. Quaiden, c'est dans le fi... Oui, c'est ça, c'est dans le... 56, non? Finistère? Non? Merde. Ah, je connais pas mes régions bretonnes, c'est haut. J'ai droit à l'erreur, non? 29, ok, ce que j'ai dit. 56 en l'envers, ça fait 29. Eh, hey, 56 en l'envers, ça fait 29, c'est bon, Je complètement oh, putain. T'as dit terroriste corse là. Il va se calmer. Faut demander à Drake. Ouais, bah il y a Rushan aussi. Est-ce que t'es en train de dire que Drake-Tan est plus breton que Rushan? Merde. Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenant. Par contre, ça marque là.
au poteau, je mets son blaze, elle est dégueulasse. Vraiment, elle suinte. Moi, je suis dans le 35 et je suis dans le 56, je suis quasiment pas considéré par un moto par un. Ouais, mais vas-y, c'est n'importe quoi. On se verra plus tard. On arrive à Kaer Morhen. Franchement, j'allais dire c'est beau, mais il y a eu le caillou très très proche. Franchement, pour du 2007, eh, ça va, hein. Genre, c'est pas dégueu. Oh, c'est beau quand même la musique là. Ça coule dans mes veines. Et nous, en 56, on estime que celui 35 sont pas bretons. Ah, des guerres internes. À l'ancienne. Si, si, c'est Escale, voilà. Plus t'es à l'ouest, plus tu considères que t'es la seule. Ouais, ouais, bah oui, oui. Le seul mec, le seul vrai breton, c'est celui qui habite dans le phare à côté de Brest. Qui flex sur tous les autres. j'ai un gros pif. Les Bas-Normands pensent que les Normands sont des parigots refoulés. Ah bah nous, c'est pareil, hein. Tout ce qui est au-dessus de la Picardie, ça baisse ses sœurs. Tout ce qui est en-dessous enfin, de la Picardie, c'est des connards de parisiens. Cherche Triss. Là aussi une bourguignon. Délicieux le bourguignon. Voilà, j'ai la dalle. J'ai pas mangé avant le stream, c'est rare, mais j'étais occupé sur Photoshop. J'ai pas vu l'heure. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en. Je prends du crack. Oui, oui, oui. Tu vas reconnaître des thèmes du 3 dans le 1 qui sont modifiés dans le 3. Bah, je crois qu'il y en a déjà. Non, il y en a déjà eu, non? Bref, c'est des tâches. Il s'encule la vignette. Je le répète sans cesse. Mais elle est trop connue cette fois, c'est Morgan Freeman. Oh, elle est trop bonne. Toujours. Beaucoup trop d'un coup, là, j'ai vu du pays. Ça fait 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. Ouais, sale pute, va. La mémoire, tu reviens. Ouais, ouais, j'oublie pas. L'émotion de Yadar. Je suis un papillon, je vogue. Ah, regarde comment elle a du cul, là. Je connais magicienne tout. À la con. Pirouette, parade, et stock. Triss Morlaque, Trizo, Galen. C'est qui la VF de Geralt? Je ne connais pas. Tu as dû beaucoup compter. Geralt, nous. Je le fais mieux qu'elle. Geralt de Pardieu. Eh hey, mode-moi ça, s'il te plaît, grand fou. Allez, va donc. Et toi, oh là. Regarde caméra intense. Ça va être wild, hein. Il faut que j'y réfléchisse. Mais tu sais pas, nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Mais je ne prends pas de meth, je ne prends que de la ligne et de la cocaïne. Ha, c'est mieux. Pas mal. Faites une pause. Ah, la même de 2007. Qu'en pensez-vous, Geralt? Quel bonheur. Il est prêt pour le voyage? Oh oui, je suis prêt pour toi. Tu peux m'emmener où tu veux, Morgan Freeman. Vraiment. Non, non, mais il y a vraiment une tête de con, c'est génial. C'est pas une douleur entre le 1 et le 2. Ha. Attendez les autres. Il est seul. Patrice Baudrier. Le professeur offre 50 orins pour chaque dégât à moi. Garde-moi ce crack. Garde-moi ce skillman. Oh, ça c'est méchant par contre. Vézémir, on a de la visite. Bon. Ça veut dire, il va falloir que je joue. Les bandits, on dirait des bandits dans Fable 1. Mais mec, mais... Enfin... Oh ouais, ah là là. Allez, je spoulais. Allez, c'est parti. Je vais pouvoir aller péter sur... Ok. Normalement et tout, je suis réglé. Ouais, mais Lambert, il c'est le connard classe. Oh, ça pique un peu quand même. Attends, juste. Glaive, oui, ok. Attends. Échappe, si vous voulez, voilà. Juste. Hop, sonore. Voilà. Putain, mais les voix, elles sont à 10. Je vais mettre à 4 du coup. Ouais, hop, alors, allez. Tu vas voir le combat. Attends, déjà j'arrête. Oula, 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 oula. Oula, il va vite là. Je vais vite, je m'entraîne. Visée rouge, ouais, ok. Hey, ah ok. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Aidez-moi. Je tape là. Ouais, je. Non, je fais du 6. Ouais, je fais du 6. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mec, oh là, oh là, oh là, oh là.
La 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 la. C'est bon, on a vaincu. Comment vous sentez-vous? Ils tournent embuscadés, mes amis, mon gars, mais ils sont cul cette bouteille par ça. Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kaer Morhen. D'accord, ok. Nous savons, Mérigold. Ok, jusqu'à temps que l'épée devienne en qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Ça va, la leçon par rapport à ma voix? Ou c'est un trop fort? Nous devons. Attends, je crois que je l'ai augmenté ou je l'ai baissé comme un autiste. À la route court. Je crois que j'ai fait l'inverse. Je crois que j'ai fait l'inverse comme un gros con. Ouais. Voilà. Je suis un immense attardé. Ok, normalement ça devrait être parfait. Hop. Ah. Ah, ok. Voilà, on est déjà. Voilà. Non, ça devrait être mieux. Ok. On sent bien la réflexion. Mais je suis un surhomme, voyons. Mais pourquoi ça va vite comme ça, je crois. Ça va. Bon, si il vomit, c'est que ça allait trop vite, mais sinon, ouais, c'est comme ça. Ah oui, mais la puissance sorcelaire, elle est. Comment dire? Innommable. Ouais, mais les ombres, elles sont terrifiantes, hein. On dirait un croisement entre Lovecraft et je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes. Là, ça devrait être parfait. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Ah, des... Merde. Tu disais? Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une salvée. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Mais surtout par la peste, j'ai l'impression. Ou je sais pas. C'est pas un Kikimor, ça? Ah, peut-être. Ah, peut-être, oui. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Ah, y'a moyen, ouais. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour. Mec, les espèces de regards caméra tournage, là, ça me fume. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. A noter que le tueur à gages, il est... Professeur, vous savez quoi faire. Enfin, allez-y. Main devant le visage. Monochrome. Voilà. Couleur unique. More like Dizzy manger. Ah ouais, non, je la mange bien. Chercher en Redania, Temeria et Edwin. Une vraie ordure. Ils avaient déjà la main dans le slip, hein, les devs, les petits polacs. Je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. On dirait un mode de Skyrim. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Ah, oh, les nibis, les nibis. Mais il craint les grands. C'est pas humain. Les cloches dans la haute cour. Non, mais Triss, c'est une pute. C'est une prostituée. L'épouvanteur et les bandits. Plus jamais été du monde. À côté de magicien, maintenant. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, par contre, voilà, se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Putain, j'ai l'impression que c'est fort encore les voix. Le professeur et le mage inconnu. Dans mes oreilles, c'est super fort. Alors c'est dit. Je vais peut-être les baisser encore un peu. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité. Oh, une voix de con. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Attends, juste. Alors, super dans les cartes, un objet de quête. Ici, ok. Ouh, il est mignon. Ouh, il est bouge. Oui, voilà, voilà, voilà. Et pourquoi tu pars tout seul, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Attends. Vas-y, avec sa gueule, on l'appelle vénère, mais mec, mais. Il en connaît tellement. Il te dab dessus avec sa culture. T'as vu? Oui, j'ai vu, j'ai pas compris. Qui m'a une tête d'alien, une espèce de bouche en forme de une bouche en forme de clic des pattes. Ouais, c'est un gigantesque tas de merde. Alors cliquez lorsque le curseur se change en glaive flamboyant. Ok, ouais. Ah ah. Oh oh. Oh oh, hé hé. Ça va être que ça pendant 3 heures. J'espère que vous êtes prêts, hein. Attends. Je vais juste, parce que j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, mettre ça à 7-5, ça aurait pas mal. Ok. Mec, mais ça stance. Enfin, je... Ça stance le combat, je la comprends pas. Je la comprends vraiment pas. Attends, est-ce qu'il y a des sauvegardes rapides quand même? Au cas où je me fasse fumer ma grosse race. Ok, donc ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Elixir, inventaire, ok, m'en fous. F5, F9, ok. Ok.
Non, c'est ça. Je sais pas. Ok, c'est parti. Dark Ray, t'es le jour de ta naissance. Je le regrette déjà. Et dans le jeu aussi. Ok, combo. Combo. Ça va, c'est des merdes. Ok, je perds pas de vie. C'est bon, je suis invincible. Je peux bloquer? Non, je peux pas bloquer. Ah si, je peux bloquer. C'est juste. Ok, d'accord, c'est juste un clic. Genre. Ah mais j'annule son attaque. Ok, d'accord. Ouais, non, mais tue-le. Oh, le finish! Oh, le finish! Oh. Bah. Is that easy, Goudette? Moi, j'ai goûté, ça me fait rigoler, j'en peux plus. Voilà. C'est fin du stream, c'est bon, c'est fini. Ah, donc si j'appuie trop vite, ça va me faire sauter. Quel plaisir. Petit fact, le doubleur de Gérald dans le 2 et le 3 en VF, il est monochrome. Ouais, ça, je sais, ça s'entend dans le 2. Enfin, surtout dans le 3. C'est où, là? Ok, ça va nulle part. Ah, ça va nulle part aussi, ok. Oula, oula les ombres, oula. Ah, je peux mettre en pause. Mm-hmm. I am the pipi woman. Comment ça s'entend? Bah oui, ça s'entend. Ça s'entend qu'il est de l'autre pays. Ok. Ah, ça, ce petit bout là, il est dans le 3, je crois. Il est au début d'une. Attends. Alors venez attendre de ça, faire un clic gauche pour l'achever. Ok, ouais. Et boum! Oh, j'adore! Je peux pas les loot? Non, je peux pas les loot. Si tu me cherches, ça va mal finir! Oh, si tu me cherches, ça va mal finir! Non, mais ouais, mais la posture, je comprends pas, c'est. Allez, hop! Oh! Oh, l'animation! Oh, il n'y en avait pas des comme ça en 2007! Il y en avait vraiment des encore mieux, mais je préfère mon tien. Attends, parce que. Attends, j'ai envie de voir comment ça rend. Attends. Parce que j'ai pas testé. Moi j'avais joué comme ça au début aussi. Option graphique, non. Option de jeu. Comment ça rend? Oh sa mère! Oh sa mère, c'est chelou! Oh sa. Oh là! Oh! Comment je. Oh! 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 Oh, oh, j'ai l'impression de jouer à Diablo! Oh dis donc! Oh! Oh, c'est. Oh là là, c'est horrible! Plus jamais! Oh, oh! Oh, jamais de la vie! Et c'est quoi? Isométrique buff, fais voir si qu'on vomisse un peu là. Ah, c'est juste là, ok. Oh là là! Oh là 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 là! Ouais, non, c'est pas fait pour ça du tout! Hop, voilà, mets-moi comme ça, parfait. On dirait un jeu Lego, encore plus compliqué, mec. Les jeux Lego, ils sont tellement faciles à prendre en main. Il y a que sorti en 2016? En 2016. Crysis, ah, quand même! Ah oui, ah, c'est pas mal! Oh, mais Crysis aussi, c'est littéralement une vitrine. Quand ils l'ont fait en 2007, ils l'ont pas fait sur des ordinateurs Polak en train de vomir. Hein. C'était déjà des petits ordinateurs de la NASA, les mecs. Meurs, sale chien. Putain, Mass Effect aussi en 2007. Ah ouais. Dis-le, style rapide. Ah oui, il y a plusieurs styles. Un certain agile, ah oui. Comment je fais? Merde, j'ai pas lu. I didn't read. Comment on fait pour changer de style? Merde. Oh le con! Ah pause! Ah oui d'accord, ok. Non combattant, style rapide. X pour sectionner, ok. D'accord. Oula, oula, oula. Oula. Oh je l'enfume! Oh je l'enfume! Putain, God of War 2 aussi en 2007. Bon, ils ont quand même bien step up, hein, c'est des projects, hein. Y'a pas à chier. De passer à ça, à The Witcher 3, bon. Voilà. C'est combat style puissant. Icône loup, W. Ok, d'accord, ok. X et W, je note. D'ailleurs, je vais bientôt. Pas en stream. Je vais bientôt commencer. Bah, Dieu. Oh là là, l'ombre, la fin. Pourquoi t'as ton ombre, elle se décroche de ton cadavre? This is not normal. C'est Luana, ça ou quoi? Je vais bientôt commencer le dernier God of War d'ailleurs. Faut que je le fasse, hein, mais je vais bientôt le faire. Pour mon plus grand plaisir personnel. Oui. Pardon. Ok, tu peux être parti en pause pour changer, ouais, je note. La drogue visuelle. Oh, ça va! C'est quoi? C'est un petit jet de cocaïne! C'est rien! Faut se renouveler un petit peu, s'il vous plaît, quand même. Okay. J'ai juste tapé dans. Il a juste crié un peu fort. Hein. Ça se voit, on va faire un peu. Ah oui!
Il y a au moins plus de NPC que sur Oblivion, dis donc. Oh, il y a du monde là. Oh, il y a du monde. Oh, il y a de l'archer. Bon, ça, j'ai ma vie. Oula. Ah. Oula, oula, oh. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gueule? C'est chez moi. C'est chez moi, c'est dans le jeu. Pourquoi il y a quelqu'un qui hurle de loin? Pourquoi il y a un mec qui s'est record dans le studio, mais dans le studio d'à côté? Oh. On ralentit contre la montre. Oh là 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 là. Où ça? Ah, tu es bien dans la merde, jeune homme. Ah, tu es bien dans la merde, jeune homme. Oh là là. M'en fous. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons ça. Mec, il n'y a aucune animation visuelle sur son visage. Enfin, animation. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que... je préfère... on voit là. Non, elle a pas comme son collier. J'aime beaucoup le collier en forme de loup avec la tête en 3D. Je trouve que ça rend... Il y a un cachet, en fait, qui est beaucoup plus appréciable. Qui n'est pas dans le... dans la série. Et je trouve ça très dommage. Bon, c'est purement, purement personnel, mais je sais pas. Je trouve qu'en 3D, ça rend beaucoup mieux. Attends, je pouvais les loot depuis le début ou... ou pas. Non, ok. Ferme mon inventaire vite fait là. Tu vas là? Tu vas là? Ok, je vais là. Ok, j'ai pas le droit. Pas de problème. Meurs, sale chien! Hop, voilà. Alors en soi, je t'écoute. Ça change pas grand chose non plus. Ah non, non, ça change rien, c'est juste à ma préférence personnelle. Ok, vas-y. C'est quand que ça devient compliqué? Non, je me moque, mais il y a un moment, je vais me faire démonter le cul, je vais voir flou. Et pas mal en vrai, les Amazon Dragons. Bah, c'est. Pour du 2007, on va dire que c'est pas mal, ouais. C'est relativement tranquille. Non. Oh putain, je peux pas littéralement le stomp. On se parle. Oh, oh. Y'a rien à faire là. Oui, oui, tu peux parler. Ah oui, c'est vrai que je peux pas tourner la caméra avec Shift. Sauf si c'est boîte et le boule, il tient par la lame. Ouais, ouais, bah ça c'est relativement intelligent. Comme les flèches sur Horizon Zero Dawn. Bah, c'est un des seuls exemples que j'ai de bons trucs médiévaux. Qui, à l'œil, qui a ses flèches à la hanche et pas dans le dos. Parce que dans le dos, c'est impossible de carry ses flèches. Et c'est un des seuls jeux, je crois, qu'il le fait bien. Bon, là, ça a noté. Toujours des petits fun facts et rigolo. Comme on aime. Ouais, dommage aussi. Mais j'ai jamais joué à l'arc, donc je peux pas trop dire. Dans le dos, tu peux carrer tes flèches, mais tu peux pas les sortir. Hein, donc bon, ça sert un peu à rien. Alors, oui, utiliser le treuil, alt pour faire apparaître des objets. Ouh. Quoi? Comment je range mon épée? Ah, c'est... c'est pas W. Tab, ok. Voilà, hop. Je peux pas ramasser. Non, ok, bon. Prends après le loot. Dark Souls, je carcasse sur la ceinture. Ah, c'est cool. Mais c'est des petits détails, mais je trouve ça sympa. Pas la Zelda où il est dans le dos et normalement ça devrait tomber. Mais bon, c'est pour être Alice, mais. C'est des détails cool, quoi. Mec, j'ai fait plusieurs années de tir à l'arc et les flèches dans le dos, tu peux les sortir, ça te demande un peu d'entraînement par contre. Ouais, mais c'est pas pratique et c'est chiant. Ouais. Si très très peu de monde avant les avait à la hanche, c'est pas pour rien. Hein. C'est un miracle de vous voir en vie. Oui, vous auriez pu me prévenir. D'accord. Pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Les veines du bras, mec, c'est n'importe quoi. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur. Vraiment, je pourrais me faire barcer par cette voix. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Mais tout le monde veut un mutagène. Nous devons découvrir leurs intentions. Oh là là, c'est dégueulasse. Il serait imprudent de négliger un mage puissant. Mec, c'est un cube, visez bien. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo.
Dans le dos, c'est pratique si tu dois bouger vite, parce qu'à la ceinture, si tu dois bouger vite, toutes les flèches tombent au sol comme la merde. Ouais, mais dans le dos, si tu dois arquer, enfin, bander ton arc avec une flèche vite, bah c'est la merde. Si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Putain, je dois protéger en plus. Non. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Je sais pas ce qu'ils vont les éclairer. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Ok, je note. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Tu parles de draguitrice là-dessus. Restez avec nous au cas où ça vola face encore des siennes. M-O-N. M-O-N, dis-tu. M-O-N. Mon. De la sacoche, un peu sur I. Alors, oh là là. Oh là 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 là, oh ça pique ça par contre. Hirondelle, non. Et glu 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 glu. Ok. Physique, c'est un. Ok. Oh, 7 heures. Bah, c'est tranquille. Pardieu. Prenez garde au professeur. C'est un professionnel. La rumeur lui attribue 17 victimes. Tu sais qui je suis ? Désolé, je sais que tu as déjà combattu voilà, des bandits et des mages. N'oublie pas tes élixirs. Non, il part de Léo. Ou par mon ciel. Eh, tu suces pour un bounty ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mage ? Je ne connais ni ce mage, ni ses spécialités. Mec, les éclairs, elles font n'importe quoi. Je n'aime pas ça. Comment ça ? Quelqu'un de puissant. Mec, non, mais vas-y, les barésies, le haut-résie aussi, mais ça veut rien dire, sans sérieux. Sans ça, j'en serais venu à bout dans la basse-cour. Le mage qu'on a vu ? Ça m'étonnerait. Enfin qu'ils ont un petit peu up leur jeu, parce que... Les maxi thoughts là, pas trop trop haut des restes. Là, Lucilex, peux allumer un feu. Bah vas-y, bah, let's go. Hein. Ok. Ok. Attends, faut que j'apprenne un petit peu tout ce bordel. Ok. Allez parler à papy. Ouais, bon, Maxisode, il y a des fers dans le 3. Oh, ça va. De quoi tout ça? Parce qu'elle monte sur une... animal, un cheval, trompette. Votre tension corporelle s'accroîtra et l'adrénaline affluera. Des effets licorne, voilà. Difficulté à se concentrer sur la défense. C'est bon, pas de king shame ici, mec. Pas de king shame. Merci. Bah, qu'est-ce que tu veux dans vos... Tu veux parler, on y va? Prêt, Gérald? Oui. C'est tu seras un tueur à pyramide. Non, mais je n'ai jamais tué un homme. Eh ben tu vas le faire. Je vous attends. Et let's go. Ah, c'est l'entrée de la citadelle que je préfère. Préférence. T'as vu, je connais des trucs. Enfin, ils ont gardé un peu Matt Lemelchine du 3 et les tunnels alternatifs. Ah, les tunnels alternatifs, j'en souviens plus trop. Je ne serai jamais aussi rapide qu'un vrai sorcier. Je tiens juste de la... j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. De la belle robe de soirée qu'elle a, Triss. Nous faisions de l'escrime. Qui était très jolie. L'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette et je l'ai touché au ventre. Il est resté debout et ensuite, il m'a battu. Mais quel bolos. Un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat, il dit que j'ai du potentiel. Mais pourquoi il en fait une voix de con aussi? Le pauvre. Alors, esquive. Ouais, je sais. Léo, best boy. C'est dommage qu'il meurt. Non, j'ai vu. Vous bon, je sais de sauver Léo. Rien, votre sorceleur. Ok, hop, et de 1. Léo, tu survis, hein. Ah, c'est bon, il survit. Parce que du coup, je peux... Oh, ah ah. Attends, fais voir l'esquive en plein combat. Bah, ça fait rien. Oh, bon. On dirait une petite salsa. Si. J'ai trop faim dans ma tête, j'avais... Oh, là, il dû me dire un petit tour. Délicieux, la sauce. Bon, il faut que j'aille trouver des magiciens, c'est ça? Protéger le labo. Attends, à table. Je peux les loot? Je peux pas encore les loot? Mais merde. Bon, faut que je vais où? C'est beau. C'est beau dans mes yeux. Oh, je me souviens. Oh, si, ça, je me souviens. Bon, il y a un rat qui est éclaté. Je vais faire à manger vite fait, là. Des bouillons? Non, ouais, je me casse. Ah, je peux pas sprinter, c'est vrai. Bon, alors, si, j'ai pas la touche. Alors, style de combat, ouais. L'icône de griffon. Mais non, on entend qu'on doit faire de faible niveau. Choisissez le style de groupe pour les vendre plus rapidement. Bah merde. C'est non? D'accord.
c'est des nains. Oh, c'est des grosses merdes. Oh, c'est des gens de petites personnes. Je fais des dégâts... Ah oui, ok, je fais des dégâts aux alentours. Ils sont en train de me chiffre par contre. Oh, pff, il a volé. Faire sentir ma lame de sorceleur. Alors ça par contre c'est vachement... Bon, je vais les étaler. C'est vachement pédé ça par contre. Oula, tu peux arrêter de faire de volade s'il te plaît. Y'a quoi derrière? Cuisine. Non, je veux aller à la cuisine. Oh. Yes. Je peux pas juste aller dans mon affaire instantanément? Je peux la prendre? Bon, ça marche. Bon, ça. Hop, voilà, petite bidouze. Attends, est-ce que je peux mettre objet de quête? Ah, je peux mettre des trucs. Oui, je peux mettre des trucs pour cliquer vite dessus. Ok. Ok. Fais voir le journal, comment ça marche? Ok, les didacticiels, je m'en fous. Oh là là, y a... oh là là. Ah oui, ça pique un peu quand même. Oh là là, il y a tellement de trucs. Oh, le bestiaire, tu veux? Ok. La carte. Okay. Oh, c'est mignon la carte. Après, vérifie, Margarita porte moins de tissu que Triss dans le 3. Non, qui triste dans le 1, ok. Faut aller où? En bas ou en haut? Le menu, j'ai mal. Allons-y. L'orticaire un petit peu qui ça gratte. Ça gratte un peu. Je t'avoue que... Bac plus 1 minimum. L'énergie puisée au cercle des éléments suffira pour arrêter les sorceleurs. Vous mec, cette voix de méchant. Et vous qui pestiez de crainte que Savola les étouffe avant vous. Putain, mais lui aussi, c'est un voix connu. Un sorceleur, fût-ce loup blanc. Vous effraie donc à ce point. Ce tueur patenté dont vous parlez et que l'on tenait pour mort, je le défierais volontiers. Et je te casserai la gueule avec plaisir. Allez, petit professeur. Le temps est crucial. Ils ne peuvent rien contre le pouvoir du cercle des éléments. Nani ? De quoi tu parles ? Putain de magicien à la con ! Travaille. Je veux les mutagènes prêts pour la téléportation dans 15 minutes. 15 minutes. Attends, on se règle sur midi 5. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, j'ai dit. On est bloqué. J'ai vu. La barrière magique a l'air solide. Il nous faut Triss. Il nous pille. Geralt, dégagez le passage avec un signe. Un signe? Celui d'un. Mais il est trop con. Je ne peux pas le faire. Tu l'as fait dans un cinématique. Les doigts sur le dentelet. Lancez le signe d'Ard sur les gravats. Les signes, ça ne me dit rien. Allons au cercle des éléments. Ah mais il est vraiment con. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. Ah non mais il est énigmatique. Enfin il est con. Il est oublié. Il est dans les oubliettes. Ouais, amnésique, pareil. Amnésique, c'est bon, c'est des trucs avec des doigts. Je vais cliquer sur la pierre pour un nouveau signe. Ouais, ok. Miam, délicieux. Alors ? C'est pas Lambert, hein. On va voir ça dans un instant. C'est Léo. Je savais que ça allait marcher. Lambert, il est plus petit, plus cheveux noirs, brun, plus connard aussi d'ailleurs. Qui arrive avec le bouton 3 la soirée et lancer le signard. Ok, ça c'est facile. Mec, les quêtes de mise à jour en jaune. Miam. Mouah. Ah, mucho bene. Vraiment, c'est dégueulasse et j'adore ça. Salut Arthur, ça va ou quoi, poto? Je crois qu'il crève, ouais, Léo. Oh yes. Attends. J'ai mal. Mon sang. Vous a pris. Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle. Ça va, Léo, je te fais pas chier. Pour dresser une barrière magique. Comme un lundi. Peste. Aussi naïf que des enfants. Il fallait me parler du cercle. Oui, genre j'étais au courant là, eh oh. Pour nous, c'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent. C'est en emportant votre équipement. TripAdvisor dans la source. Mais vous disiez que le mage était inoffensif. Mais c'est un mage, c'est jamais inoffensif. Je ne connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Il est con. Du calme, Marigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. C'est qui la VF de Lambert? Même si cet imbécile ouvre truc aussi. Encore la bouche. Assez. Lambert, cessez de tarabuster Triss. Tarabuster. Dis donc. Triss. Et le jeu est sorti en 2007, pas en 1905. Ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Tarabuster. Quelqu'un peut poser la définition vite fait dans le chat de tarabuster? Nous devons nous séparer. Je sais pas si c'est un vrai mot, hein. Je descends.
Moi seul peux briser la barrière. Je lui dis quand des bidouilles la chatte. Oh, dis donc. Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Geralt, vous pourriez nous être utile. Oh, je vais lui tarabuster la carabistouille. On fait quoi? On va avec la pute ou on va avec le BG? Je vous laisse choisir. C'est notre aventure, après tout. Oh, c'est beau ce que je dis. Importuné par des paroles. Ah oui. Tout le chat me tarabuste. Le labo, les émirs. Et B. Ok, ça m'aide pas. Apparemment, c'est plus fort que taquiner. Ouais, taquiner, c'est genre pouk pouk pouk. Tarabuster chez nique ta mère. Ça, Foxy ou quoi? Tu vas pas râler parce qu'il utilise du vocabulaire. Tu préfères God qui parle de lui fourrer le cul à coups de bite constamment. Ah non, moi j'aime bien le... Ça me fait rigoler le violangage, le langage soutenu. Mais c'est, je trouve que c'est rigolo, c'est tout. Bah, ça, oui, ça va. Poto, le labo. Bon, on va aller au labo alors. Le laboratoire prime. Je vais bon, ok, 113% avec le labo. Allez, c'est bon. Esquelle et Lambert resteront avec moi. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. Oh. Que se passe-t-il? La terre tremble. Vous le sentez? Ils sont passés. Mm-hmm. J'ai un peu oublié, donc je sais pas ce qu'il y a. Attention! Oh merde! Oh, il est quand même classe. Avec ses deux petits glaives là. Oui, 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 moi aussi je vais le faire. C'est qui? Vite. Qui c'est qui? Laboratoire. Adjectif, Foxy. Blonde, rousse, méchant, brûlé. Lequel? Bah le méchant. Bah c'est un magicien, je sais pas, moi c'est Samoussa. Putain, j'ai trop la dalle, mec. Un dur combat t'attend. Prends cet élixir de chat-huant. Tu récupéreras un peu d'endurance. Ok. Ce qui compte le plus contre les mages. Allons-y. D'accord. Alors, let's go, hein. Du coup, ça la remplace pas, ça l'ajoute. 7 heures, oui, bon, c'est le début, j'imagine. Par là, le labo. Non, c'est pas où le labo. Ne perdons pas plus de temps. Ah bah non, c'est par là, les ennemis. Putain, ils sont remontés après que je les ai... Exikeni. Oui, bah le méchant, bah oui, bah classique. Je suis encore dans le tuto, ouais. Ah, le tuto, il est long, hein. Mais il y a une scène bien après le tuto, de toute façon. Halte, Blanchette. Je vais invoquer un puissant démon qui te brisera en deux. C'est de l'esbrouf. La téléportation l'a épuisé. Il ne peut rien faire de plus que ses éclairs magiques. Bah là, ouais, les sous-titres sont où, là? On s'occupera de vous avant que la barrière ne lâche. Quête, Blanquette. C'est marrant, ça, Foxy, hein. Ne jamais sous-estimer un adversaire. Maintenant, l'énergie de mes frères me rendra plus fort. Ça, c'est vraiment des PD, les mages. Ok, vite. Ok, un. Mais tape-le, voyons. Mais... Sorceleur de pacotille. Pourquoi j'ai eu un truc, c'est un niveau en plus? Ok, si. J'ai regardé Fairy Tail, je sais comment ça marche. Oh. Ah mais... Mais vas-y, ce TP là, il fait une Dracula le mec. Il a fait une petite danse, bah toujours. Mais mec, mais je joue à Dance Dance Revolution, là, pas The Witcher. Bah... Le S-Word. Le S-Word ici. Bah monsieur. Ouais, on est sur un chat chrétien, non mais oh. Je vais vous apprendre, moi, utiliser du langage châtier. Il fait une danse vivante pour CP. Merde, je crois que j'ai... Ah non, j'ai pas le fumé avant. Attends, par contre, je vais peut-être crever. Comment ça marche, ça? Ouais? Non? Merde. Ah, d'accord, ça l'apprend. Merde, j'ai pas vu. Il a vraiment claqué. Mais il est pas... c'est pas qu'il est claqué, c'est juste qu'il est déjà très différent des autres. Mais en même temps, je le trouve pas aussi claqué que ça. C'est juste que
Les gens, ils ont... Ah, c'est vrai qu'ils dansent un peu du ventre. Les gens, ils sont un petit peu trop habitués au nouveau jeu. Et du coup, quand tu vois ça, bah, tu fais « Ah ouais, c'est chaud, quoi. » Moi, je trouve pas... Je trouve pas si mauvais que ça. Mais tu vas arrêter de m'insulter. Et arrête de danser, PD, va. Sauvegarde. Je sais même pas si ça fait des sauvegardes rapides. Oh, roulade. Petite roulette. Oui, il est bientôt mort. Les menus sont moches, mais ils souffrent vite. Ouais, ouais, ça, c'est cool. Par contre, ouais, les menus sont dégueulasses. Ça change pas. Il est passé... Ouais, il a fait son temps, quoi. Mais bon, pour du 2007, tu vois... Dis-toi qu'en 2007, c'était cool. Est-ce que l'autre, il est en train de me... Merci, Léo. Je t'apprécie. Ah, mais oui, mais je peux faire ça. J'ai oublié. Qui est endurance, c'est en jaune. Est-ce que je l'ai fait tomber? Ah, j'ai plus de jus. Mais ferme ta gueule, Léo. Il me saoule. Ah, je crois en vous. Vous allez y arriver. On dirait mes parents et moi à la fac. Je peux faire un petit... Voilà, dans ta gueule. Voilà, je te finis gratuitement. Voilà, salamandre, more like petite salle niçoise. Bon. Il t'a eu? Ouais, mais Léo, c'est une groupie, non. Mais normal. Même si il veut me pépon, mon gars. Je vais devoir affronter un magicien très puissant. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu passer cet étrange cercle. Voilà a mordu la poussière. Voilà ce qui compte. Nous devons aider Triss. Allons-y. Coucou Edwim, comment ça va? Si, si, le sexe. Oui, si, si, le sexe. Le sexe, sexe. Le cul. Le sec, le sesque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi il y a des... Pourquoi il y a des artefacts chelous? Est-ce que je deviens fou? Est-ce que... Que se passe-t-il? À l'aide? Oh. Il retourne tout le laboratoire. L'autre mage. Et voilà. Je l'ai sous-estimé. El classico, je l'ai sous-estimé. Bon bah c'est parti. Il repassera quand il aura emmagasiné assez d'argent dans son compte en banque à deux. Laisse-le charbonner tranquillement. Ah ouais, pas de vacances jusqu'à août. Ah oui, c'est du bon charbon là. Ah pas mal. Ah c'est du... Respect. Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Respect. Du coup, c'est lui le méchant du jeu principal? Ou en tout cas... Oh, les bras qu'il a! J'ai vu. J'ai vraiment jamais vu le 1. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Mais Mira, je pense qu'au final, je vais devoir tirer un trait dessus. Oh, bah merde! Oh non! Oh, ça, c'est triste! Ok. Alors ça, par contre, c'est stylé. Les sorceleurs sont maîtres Esparade, non? Quoi? Je parle pas une langue morte. Français, s'il vous plaît. Oh! Putain, Valette, elle est con. Côté bras, il y a le mercenaire du 2, c'est bizarre aussi. Hein. C'est ses bras, c'est des troncs. Genre, c'est deux de mes cuisses. Enfin, c'est mes deux cuisses en même temps, plus mes bras. Voyons ça. Léo, non! Non! Léo! DiCapriote! Non! Ne meurs pas! Ah, ami! Pas encore un conte de fées. Léo. Côte brisée. Léo. Poumon perforé. Dis papillote. C'est la fin. Vite, une décoction de Raffard le Blanc. Je le connais, lui dans la vraie vie, Léo. Il a tué des gens. C'était là. Je ne trouve rien. Vladimir. Léo est mort. Sad face in the chat. Presse F. Presse F for Léo la papillote. Comment est-ce arrivé? Il a attaqué le professeur. Alors il est rentré en contact avec un carreau d'arbalète. C'est pas votre faute, Gérald. Et ça, c'est pas ouf. Nous sommes tous responsables. Triss a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les M'en sorceleurs. Fou.
Et quelque chose me dit que ça va empirer. Même si, en vrai, c'est comme le choix dans le premier Mass Effect. Vous avez l'air fatigué. Non. Reposez-vous. Merci. Si, c'est dans le premier Mass Effect, où tu choisis l'humaine contre l'humain. J'ai oublié son nom. Ils auraient le choix, je pense que 99% ils auraient pris la trice. Hein. Alors, économisation d'un mode dialogue pour enclencher le mode méditation. Oui. Mini. Ok. À plus tard. À plus tard. Ça tombe vers Kaer Morhen, Kaidan. Ah, je sais même pas. Alors. Comment ça marche? Signe hard, épée. Médaillon. Ouais. Ah, il est 11h, dis donc. Lieu danger, bon. Non, c'est fini ça. Carte, héros. Merde, j'ai oublié. Merde, mais pourquoi il y a des artefacts par contre? C'est chelou ça. J'ai oublié. Comment on fait? Je veux méditer. Aidez-moi. Attends. Déjà, je vais sauvegarder. Oula, ok, les autosaves. Elle est où ma save? Elle est là. Donc, j'ai juste. Tu vois, ma partie. Donc, déjà, c'était. Putain, 17, 18, 19, 20. Oh merde. Mec, c'est quasiment 4 ans jour pour jour. Oh merde, j'aurais attendu une semaine. Oh, je suis trop con. Oh, j'aurais dû attendre. Ah bah non, c'est un vendredi. Bon, on s'en fout ça. Oui. Friday, ça aurait été chiant, mais. Oh merde, mec, quasiment 4 ans jour pour jour. Ah, c'est stylé. Attends, juste regarder c'est quoi la douche pour faire dodo. J'ai lu, mais c'est sorti de mon cervelet. Non, c'est point ça. Inventaire, personnage, carte, journal, alchimie. Ah. Tu peux redire vite fait, là? Oui. Tu mets la touche. Ah non. Bah. Ah d'accord, je sais lui parler. Ok. Alors, bah dormir jusqu'à minuit, non, je sais pas. Dormir jusqu'à l'aube. Ouais. Ou minuit. Je sais plus c'est jusqu'à quand qu'il faut. Ouais. Allez, c'est parti. Ça fait pas 4 ans avec les solstices. Ok. Est-ce que toi aussi, est-ce que t'es... Oh, c'est stylé ça. Est-ce que t'es le genre de personne à refouler les gens parce qu'ils sont pas du bon signe astrologique, Foxy? J'ose pas dire quand à cause des gens qui font le 3. Ah ouais, ok. Ça? Est-ce qu'elle est passée? Trace est inconsciente, mais son état est stable. M'en fous. C'est bon signe. Nous abandonnons Kaer Morhen. Bah non. Plus rien ne nous. Je suis verso, donc non, je suis pas du d'accord. Genre. Ah ouais. Tu t'entends bien avec les taureaux, je crois, non? Et attendre que Trace soit sur pied. Les bandits. Nous nous en occuperons. Mais avant tout, il nous faut un élixir de soin pour Trace. Oh, putain. Il va falloir chercher les ingrédients. Il n'y a plus rien qui puisse servir ici. Mais comment préparer cet élixir? Bah, un petit peu de thym, estragon. Ah. Il doit être près de l'âtre. Je sais pas t'es quoi toi, bah je suis taureau, espèce de con. Lambert. Je viens de le dire. Pas. Je crois non, non, mais la VF de Geralt, elle le rend complètement con. Entendra seront enfin de vous, feignante. C'est tout Lambert. Au travail. Plus tard, je vous enseignerai comment extraire les ingrédients des monstres. Je serai dans la grande salle. Ok. Bien. Donc ouais, bah du coup, hein, c'est The Witcher, on va avoir un maximum de dialogue. Voilà, hein, j'espère que vous êtes quand même bien posé dans vos sièges. L'icône de parchemin en appuyant sur J. Oui. Ok. Alors. Attends, ça me saoule. J'aime pas laisser des trucs, des icônes. D'ailleurs, ça c'est horrible dans The Outer World. Parce que, quoi que tu fasses, il y a toujours des icônes qui reviennent à la con que t'as déjà lu. Et, putain, mec, il y a tellement de lore. Je ne vais pas tout lire parce que m'en fous. Alors, élixir pour Tri, c'est la défense de Kaer Morhen, la mort de Léo. Je vais explorer le château, mais c'est vrai que les autres vont bien. Ok, personnage. Mec, il y a tellement de trucs. Je lis pas, hein. Oh, mec, regarde. Stance stylée. Stylée, habillée. Bon, un petit flow quand même d'enculé. Léo, regarde avec sa tête de gentil.
Pareil, le mystérieux mage, là, regarde, il flex un petit peu, là, le bibi, là. La Vezémir, regarde, regarde, prêt à te manger le... Prêt à te croquer la gorge. Et là, il y a une pute. Vraiment, ils avaient tous la main dans le slip, sérieux. Tout le monde, tous ceux qui ont bossé sur ce putain de jeu. Bon, bah, je me casse, hein. Pas de champignons, là, vite fait, là. Non, je peux ramasser ça, là. Elle est parfaite. Et des herbes. L'odeur est entêtante. Tu t'as pas un croc ou quoi? Espèce de fou. En même temps, dans le lore, les magiciens, c'est des bombasses. Oui, bah mec, quand tu peux te changer par magie, avec la magie, et te transformer en... Yara? Ah non, c'est un coffre. Et te transformer en gigabombe, forcément tu le fais. Mage comme magicienne d'ailleurs. Et oui, forcément, il y a des magiciens du GBG. En même temps, quand tu vis... je sais pas combien de temps un magicien dans leur univers à la con. 700 ans, 1000 ans peut-être? Non, un truc comme ça. Bon, 1000 ans à être moche. Bon, ça fait 21. C'est déjà long. Alors 1000, bon, voilà quoi. Enfin, au bout d'un moment, tranquille quoi. Au bout d'un moment, t'as envie de Calvin Klein, tu vois. 1000 milliards. 8 millions de trilliards. 8 babyloniens. Des années babyloniennes, dis donc. J'aime bien l'idée. Bon, il est... Ah si, Triss est là-haut. Oh, Triss, petit coup de bite. Ah non, oh, bah, c'est cassé. plus tard. Geralt le beauf. Geralt de Buffy. Comment ça va? Comment ça va, l'ambiance? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas le temps de discuter. Je dois préparer un élixir pour Triss. Tu trouveras une fiole de mouette immaculée dans l'armurerie au premier étage. Les noms en français, c'est... Tu peux récupérer du calcium équum dans la salle de réception à l'étage. Ça ressemble à des pierres blanches. Regarde dans le coffre. Ratisse les lieux et élimine les traînards. Entendu. Derrière cette porte, tu verras des escaliers. Je m'y rendrai bien. Mais Mérigold est inconsciente près du feu. Alors... Je dois dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Léo, les bandits l'ont tué. Il n'était pas prêt. Oui, mais du coup, je veux pas non plus trop parler pendant tous les dialogues. Il sera vengé. J'espère que vous êtes au courant. Où est-ce que je peux trouver de l'alcool? Tu trouveras de la mouette immaculée dans un coffre de l'armurerie au premier étage. Ah, je vais juste me bourrer la gueule, mais... La salle regorge d'armes. Il occupe pas, bah, tranquille. Où est le calcium? Calcium équum? Dans le coffre de la salle de réception. À plus tard. Bisous. Alchimie de base. Oh putain, c'est vrai. Préparer les élixirs en mode de méditation, commencer par en soi les ingrédients. Oh, c'est beau! Oh, merci! Alors, je vais tout fouiller. Ah putain, je peux pas. Ah, ça c'est chiant ça. Ah si, je crois. Oh. Champion de Vizima. Nice! Si, quoi, je peux fermer par là, c'est cool. Oh, oh bah oui, mais bah, bien entendu, je suis prends du poulet. Un petit peu de champignon, non? Je sais pas. Je peux me faire un grail, là, vite fait. Non, franchement, après l'effort, je peux me faire un grail. Ah. Ah non, je veux juste me méditer. Non, mais je veux pas méditer. Je m'en fous de la méditation. Je veux pas méditater. Attends, bon, bah, médite 0 heure. Je pensais que je pouvais, mais je veux pas. Je suis déçu. Est-ce que... Ok, c'est juste moi qui est fou. Pardon, je papillonne. J'ai envie de pouvoir ramasser tout ce que je peux. Vieux plaquer, il y a quoi dedans? Poiscaille, je prends. Poiscaille, je prends. Je... C'est pas... Ah oui, si, si, je prends. Si, prends. Et de la bonne bière. Hop, d'ailleurs, hop, m'en envoie une petite. Ah, une petite, je dis. Non, c'est clic droit pour utiliser? Ah non? Ah si? Ah d'accord. Tu peux utiliser que dans le pseudo inventaire quoi. L'ambiance est très très cool hein. Je le re... Ah c'est juste de l'eau. Je crois que c'est genre barrière magique. C'est bon, heal. Viens donc te battre, sacripant. Hop. Bah prends-le. Okay.
Il a regretté le jour de ta naissance. Mensonge. Normalement là comme ça je fais des dégâts derrière. Parce que je suis intelligent. Attends, j'ai aussi des points, des attributs j'ai pas mis encore. Faudrait que je les mette. Il fait des dégâts. Oui, ça lui fait des dégâts, dis donc. C'est cool ça. Fumer comme ça. Voilà, hop, et toi je vais te fumer comme ça. Voilà. Parfait. Si tu me cherches, ça va mal finir. Bon, c'est un peu plus tranquille que The Witcher 3. Parce que entre tourner en rond et spam et juste faire la musique, bah, je préfère quand même faire la musique. Ils ont des barres de vie à la Bali. Merde, c'est sympa. C'est des ronds comme ça. T'as bien, ça. Et t'as super. Ah oui. Bon, j'irai parler aux autres après. Oh, oh, roulade, roulade tactique. Impossible. Aucune goutte ne coulera de mon, de mes yeux. Et voilà. Merde. Bon, j'ai encore besoin un petit peu de temps pour m'expériencer, mais franchement, dans les salles d'arcade japonaises, je serai un dieu. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je danse tel le camel Wally de ces contrées. Bon, je fais 3 de dégâts. C'est de la merde. Ok, on dirait mon petit frère. J'ai pas de petit frère. T'as compris l'idée. Prends son arme. Mais attends, je sais même pas. Attends, si je vais pouvoir les looter eux. Ils disparaissent, ok. T'as plus la tête contre le mur. Malheureusement, je ne peux pas. Je vais pouvoir aller. Ouais, jeu de merde. Je peux les looter. Ouais, oui. Bah, si, on peut looter les mecs quand même. Ah, des restes. Oh, bah, tiens. Oh, dis donc. Bah, je me rends, hein. Y'a quoi là-bas? Ah. Oh, c'est tellement cosy avec le petit feu là, sérieux. T'as pas envie de te poser là? Boire un petit coup? Regarde, sur une belle peau de bête. En train de lire. Près du feu, ils ont brûlé le livre. Ok, d'accord. Ça s'appelle nazisme. Qu'est-ce que c'est? Élixir inconnu. À boire. C'est quoi? Ok. Eh ben, ça veut pas tuer, donc c'est. Tant mieux. C'est à la fois posé et très en ruine. Ouais, bah on appelle ça, on dit pittoresque. Hop. Très pittoresque. Hop. Comme la Picardie. Très joli en ruine, mais c'est pittoresque. Alors, il y a pas de truc intéressant ici? Ah si. Oh la combo, elle est. Oh. Ou en bouteille. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je suis là, hein. Je... Voilà, ici. Merde. Ils ont quand même pas mal de vie, hein. Bon, du coup, pendant que je combat, est-ce que... est-ce qu'il y a des cons... Oula. Non, je... Oula. Attends, je... Blablabla. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été attaqués par cet enculé de Blue Monday, de lundi bleu, comme on dit. Qui est apparemment le lundi dépressif. Ce lundi 20 janvier, qui est apparemment le jour de la dépression. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il faut qu'on discute quand même. Ah, bon, moi non plus, je connaissais pas. Hein. Les miches de pain. Délicieux, les miches de pain. Rien de spécial. Ah, c'est de la merde. C'est quoi ça? Une meule. Oh. Non, je vais la garder. Je vais la garder pour des meilleures armes. Mais ouais, j'ai vu ça sur Twitter ce matin. Ouais, si, ce matin. Et... quoi? Ah, c'est... C'est pas cassé un quelque part, là? J'ai vu ça ce matin et je me dis, bah, c'est quoi ta merde? Enfin, tu mens, là? Hop, putain, mais vas-y, elle est trop bien, son appart. C'est littéralement 3 fois le mien. En largeur, en hauteur, c'est 15. Et c'est le tweet de l'armée qui m'ont fait rire. Ah, j'ai vu tes tweets tout à l'heure. J'ai beaucoup ri.
N'ayez pas le Blue Monday avec l'armée. Regardez, on va en mer, c'est magnifique. Vous êtes un peu dépressif? Ah, venez dans la neige, ouais, c'est magnifique. Et là, je redescends juste ouais, en bas, je m'en fous un peu. À part le parking qui brûle, mais c'est pas dépressif. Le parking entier? C'est pas une voiture à la base? Hop. Ok, salle de réception, bandit là-bas. Je fouille un peu tout, hein. Ou une. Oh, magnifique tête de taureau! Prends ça! Oh, bah non. Voyons. Voilà. Deux voitures. Mais vivrais-tu dans le 93? C'est pas le bon. Bah. Ah non, c'est, ça sort rapide! Ah merde, ah, je me trompais depuis tout à l'heure. Ah, je suis con. Ah, ok, j'ai fumé tous les bandits. Astuce, activez les commentaires contextuels, t'es que trop rapide et trop lent. Non, ça me dérange pas. Ça vous dérange les trucs contextuels là? Trop lent, trop rapide? On m'en fout. Moi. Dans le bon vieux Corby. Quoi? Quoi? C'est où ça? C'est où sur la carte de France? du pain, mais vas-y, mais c'est trop bien ici. Des miches de pain, de la bière, du poulet, mais délicieux. De quoi, mais... Genre, t'es... Enfin... Corby, Corbillard, la somme. Je connais pas, moi, Corby. Ça me dit absolument rien, wesh. En plus, la somme, je connais pas. C'est de la merde, la somme. Dans la somme, il y a quoi? Il y a... Ah, tu calcules. Dans la somme, il y a que... Merde. A dit Corby. C'est marrant, ça, Foxy. Dans la somme, il y a que des champs. L'épouvanteur. Recueil des informations de l'épouvanteur, un monstre rare. Et un... Du coup, c'est pas Iki qui mort. C'est une épouvanteur. Ok. Non? Attends, peut-être que je mens. Bestiaire. Ah si, c'est un épouvanteur, d'accord. Les épouvanteurs sont très rares. Ils sont le résultat d'expériences magiques. Pour créer un épouvanteur, un mage doit posséder une connaissance basique de mutation, ainsi qu'un grand pouvoir, qui implique de grandes responsabilités, Peter Parker. Les épouvantards... Les épouvantards... Ouais, bon, on s'en fout. Amiens. Ouais, bah Amiens, j'ai foutu une seule fois les pieds à Amiens, poteau. Et c'était pour un salon du travail. Donc bon, voilà. Deux doigts de dire, je m'en fous, mais... bon, Amiens, c'est nul, quoi. Bon oui, après c'est pas mieux que Compiègne, mais... non, par là. Wesh, les tarlouses. Oh là là, il va se calmer. Comment était ta petite session d'entraînement, mon B4? Et oui, ça boum comme un lundi, ça boum tranquille. Une caisse. Dague. Ah, mais c'est des dagues. Hop. Ça, je vais le revendre. Dur, mais ça fait du bien. Non, je veux. Ah. Putain, j'ai mon inventaire plein. Eh bien, c'est le début, c'est que le début. Comment je change... Oh, caméra. Comment je change d'arme? Alors, juste, il va falloir que j'aille pisser vite fait après. Ne peut pas être utilisé avec des styles de combat. Ah, ça sert à rien du coup. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Bon, je vais la garder, puis je la revendrai. Oh, une hache. Oh, ça, c'est joli, ça. Oh, ça, c'est... Oh là là, oh, ça, c'est bien, ça. Faire un petit peu. Oh. Oh, le bûcheron. Je peux pas taper le... Je peux pas m'entraîner. Moi, je vais pas m'entraîner. Et il fait voir la dague. Je peux même pas prendre la dague. Bah... En guerre. Vas-y, range cette merde. Allez, demain, c'est les jambes. Mon ami. Bah, je vais tout fouiller, là. Je me casse. T'as une hache et une dague, mais il sait pas s'en servir. Bah, apparemment, non. Il a pas appris, il a pris que l'épée longue. Ou même pas, c'est même pas une épée longue, sa merde. Merde. C'est un vieux glaive rouillé. Je vais redescendre par là. C'est vrai qu'il est près du feu. Ah non, attends, faut pas que je médite. Mais comment je médite? Comment je médite? Ah, oh là là. Oh sa grand-mère. Oh putain de merde. Oh fort, oh putain. Ouf, oh ça m'a. Ouf, oh ça m'a pris au cœur. Force. Ah c'est comme ça. Comment ça marche?
Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? J'ai pas de points. Prends pas de points. Alors, Alicia pour Triss. Ok, j'ai accompli toutes les tâches que vous m'avez signées. Je vais aller parler à Lambert. J'explore le château, mais sûr que ça tombe bien. Ok. Il y a un arbre paquet d'oreilles. C'est n'importe quoi. Hein. Je mettais Softlock pendant une quête. Je... Ah merde! Je peux passer le. Attends. Merde, je sais pas. On peut softlock. Oh, ça, c'est de la merde, par contre. Ah non, c'est dans sa chambre que je vais là-bas. Attends, faudra que je fasse gaffe. Je sais pas si je le ferai en entier. Si ça vous intéresse, y a pas de problème. Enfin, si vous aimez bien me voir streamer ce jeu de mort, je le fais. Sinon je fais que ce soir. Même si je t'avoue que moi, j'ai bien envie de taffer un peu le jeu. Tu t'es engagé, tu finis. Ok, bah c'est pas à moi que ça fait peur. T'inquiète pas, c'est pas moi qui vais dire non. Ah non. Alors non. Alors, le 2, non. Il va niquer ses grands morts. Flemme. Et le 3, je l'ai déjà fait à 100%. Ok, et en stream. Même les DLC. Dans la difficulté la plus compliquée. Je te tape dessus, Mirage. Je vais aller parler à Lambert. Attends, j'attends une cinématique. Et puis la cinématique, j'irai me casser parce que je vais couler. Zemir, tu vas bien? Ah, c'était un rude combat. Ah oui, mais je suis encore dans le tuto, là. Plusieurs intrus en haut, mais... J'imagine qu'ils ne nous ennuieront plus. Mais Lambert a été blessé par l'épouvanteur. Rien de grave. Vous avez bien fait de suivre Triss et de vous occuper de ce mage. Elle a pu sauver quelques pièces. Mais le gros de l'équipement a disparu. Les années 2005 Je ne le sais que trop. Ou 2000 Votre belle magicienne avait raison. Vous vous êtes bien C'est Morgan Freeman, Foxy. Les années, on va dire 2003... Je à tester. 2010, je dirais. Je crois que ça a été une des meilleures périodes pour les VF dans les jeux vidéo. Vraiment. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Qui était Léo? Qui lui? Un des nombreux orphelins que la guerre contre Nilfgaard a laissé dans son sillage. D'accord. Je l'ai pris comme novice. Donc il ça. A 6 ans. Je suis désolé. Nous retrouverons nos secrets et les meurtriers. Oui, bah oui, c'est ça, on le voit. Ça, c'est ce qui se passe dans la série. Enfin, ça, on le voit dans la série. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la série The Witcher, bon, bah, il y a encore un sacré bout de temps avant de se faire spoiler. Mais du coup, ouais, The Witcher 1 égale saison 1 égale premier bouquin, tu vois. Entre guillemets, plus ou moins. Ouais, il y a Burnout 3 qui est sorti en 2004, du coup, oui. Ah bah voilà. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Vous aviez déjà défendu Kaer Morhen. Autrefois, de nombreux sorceleurs de mon temps, ici, nous étions fort beaucoup. Des épreuves. Non, je l'ai jamais fait à The Witcher 1, B4. C'est pour ça que j'ai envie de le faire. Parfois, enfin, j'ai envie de le stream depuis mal de temps. Pas à la vie parmi les et non, j'ai déjà joué une dizaine d'heures, 12 heures pour être exact. Avant la grande bataille, 23 sorceleurs et 40 novices. Mais ça fait quand même 4, 5, 6, 63 personnes, dis donc. Plus que chez moi. Je n'ai jamais su pourquoi ils nous attaquèrent. Certains parlent d'une subite explosion. Je me suis arrêté devant la première ville, je crois. Par leur mépris des sorceleurs. Mais non, quelqu'un avait excité la foule avec des pamphlets mensongers. Des espions, l'Élysée aux paysans. Et puis, jamais les fanatiques n'auraient pu prendre la forteresse sans l'aide de magiciens. Ah, connard de mage. Quelle que soit leur supériorité numérique. Regarde comment il a le seum. Ils n'épargnèrent même pas les plus jeunes. Ah, ça c'est chaud, pardon. Je fus le seul survivant. Ah oui. Visitez les lieux, Lou. Vous trouverez des squelettes. Peut-être un de ces documents fallacieux. Gravez ça d'accord. Dans votre mémoire. Pour ne jamais oublier de quoi sont capables. Ok, donc je comprends la haine envers les humains. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Savez-vous qui nous a attaqués? Non. Mais le mage prouve que ce n'étaient pas des bandits ordinaires. Oui, nous bah oui. Nous avons trouvé enfin, tous les trois mages. Représentant des salamandres sur les morts. Le pire reste à venir. Y a-t-il d'autres sorceleurs? Autrefois... Il y avait deux autres écoles de sorceleurs. Oh, ils ont mal fini. T'inquiète pas, ils ont mal fini. Vous avez vu tous les sorceleurs que je connais, à l'exception de Berengar. Je le connaissais. Je ne crois pas. C'est un introverti qui a choisi. Mais quand tu vois ce que devient le dernier de l'école de l'ours, je crois, ils ont tous mal fini.
Il fuyait souvent Kermoren, mais finissait toujours par revenir. Après l'épreuve des herbes, il a accepté son destin. Ah non, ouais, l'école du chat aussi qui a pété un câble. Assidûment. Non, je crois que l'école de l'ours, ils ont juste fait fumer par des monstres. Ou un jour où il en reste quelques-uns et il persévère. Mais l'école du chat, c'est tous des gueudins. Vraiment, c'est... Quand tu penses à Crack plus Speed, c'est eux qui l'ont fait, tu vois. Pourquoi n'est-il pas ici ? Je l'ignore. Il n'y en avait déjà que deux dans les bouquins. Nous sommes sans nouvelles. Bah, j'ai l'impression, ouais. Je m'en souviens plus. Parce que dans le premier bouquin, vraiment, dans le premier tome, il parle même pas des autres écoles. Secret de Berengar. C'est celui-là, Berengar. Ouais, faut que je fasse quoi ? Vas-y, ok. Et bon, on va causer. On va faire les causettes. Geralt, où est Léo ? Il est mort. Oh, Qu'est-ce qui se passe ? Merde. Alors. Triss n'aurait pas pu vous aider pour la mutation de Léo. Elle n'a jamais vu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On trouve son équipement sur un mec à un moment. Et les mecs, ils sont juste comme les sorceleurs normaux, ils voguent et puis ils se font soit fumer par des monstres, soit comme d'hab, quoi. C'est juste des gros balèzes, je crois, l'école des ours. Ah, Lambert, il a une... Non, c'est Esquel. Lambert, il a juste une tête de connard, aigri, donc comme d'hab. Mais Esquel, il est vraiment escarté de ouf. Attends, j'ai vu, mais là-bas, il y a une... Triss pourrait utiliser la magie pour y jeter un coup d'œil, non ? Elle respecte nos secrets. J'ai confiance en elle. Alors pourquoi ne pas lui montrer le labo ? Triss aurait voulu utiliser nos secrets pour... soigner, ouais, ouais. Pas à nous. Pas à nous. Ce n'est pas si saleté de magicienne. Tu connais le gnome Alfred Nabel ? Je suis amnésique. Après des années de recherche, il découvrit une substance extraordinaire. Ça, c'est une réponse. Il l'a destinée aux mines et aux carrières. À n'importe qui, hein. Je suis amnésique. Mais vous devez l'argent à la carte ? Je suis amnésique. Une substance conçue pour détacher le granit briserait les remparts les plus épais. Et qu'est-il advenu de la découverte d'Alfred ? Alfred s'est donné la mort. Ah bah d'accord. Et son labo a entièrement brûlé. Ok. Ah putain, c'est... J'ai encore un truc. Et en quoi consistent les épreuves ? Il y a trois étapes. Je suis amnésique, tradition. Ferme-la, ne me parle pas. Celle du choix, en se pliant à un entraînement et à un régime. Je sais pas si vous voulez que je fasse tous les dialogues spécial. Ou que je trace la quête principale. Pousse dans le labo. Combiné à l'entraînement, ils accélèrent la croissance musculaire et la digestion. Et tout le monde réussit cette première épreuve ? Malheureusement, non. Le foie et le cœur lâchent souvent. Oui, non, mais quand je dis... je vais pas faire toutes les quêtes secondaires, ça c'est certain. Je vais juste faire la quête principale. Mais au niveau des dialogues, est-ce que je rush juste les dialogues principaux ou on blablate ? Et la deuxième étape ? L'épreuve des herbes. C'est comme vous voulez, quoi. Avant le pillage, le labo contenait des fioles, des âtres alchimiques, des formules, des plantes et des herbes. Tu as déjà assisté aux épreuves ? Une fois, à la nôtre. J'ai bien cru perdre la raison quand tes cheveux ont blanchi. Les herbes... Ah, ok, donc j'ai pas le droit d'Altab. Merde, j'ai passé. Sacrée sélection. Et la troisième épreuve ? C'est celle des modifications. Putain, il mange tranquille derrière. Mutation de l'œil, de la moelle osseuse, du système hormonal. Après, tiens. Y voyons la nuit. Guérissons bien plus vite que la normale. Et nous paysons en permanence. Et la contrepartie ? Nous sommes stériles. Et les changements sont irréversibles ? Ouais, absolument. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème d'être stérile ? Qui est tu as vu l'orage magique ? Orage magique ? Juste avant, une nuée d'engoulevent s'est envolée. Rien que de très banal. Pourtant, ils étaient inhabituellement nombreux. Et leurs cris étaient comme désespérés. Quand l'orage a éclaté, j'ai repris le chemin de Kermoren. Et en quoi consistent les épreuves ? Je peux passer, oui. Il y a trois étapes. Je suppose champignons. Et tout le monde réussit cette... Malheureusement, non. Le je sais pas foie si j'ai et vu. Le cœur lâchent. C'est lui, ça veut quoi ? Le cerveau, parfois. Le sujet souffre alors d'une agressivité anormale. Je crois que j'en ai assez entendu. Ah d'accord, non. Peut faire quelque chose ? Ah d'accord, ok, tant que je dis pas, ferme ta gueule, ok. Tu es ici chez toi. Je vais faire les armureries au labo.
Bien que Vesemir insiste sur les élixirs, il n'excelle pas en ce domaine. Oh, ça va, il fait des plus que nous. Il veut transmettre tout ce qu'il a appris dans sa jeunesse, mais moi, les poudres et tout le tintouin. Ah, moi, si ça fait pas cling, clang, clung, c'est de la merde. Rappelle-moi ce qui sert de base aux élixirs. L'alcool. Plus il est pur, meilleur sera l'élixir. Noté. Adieu. Nous discuterons plus tard. Et Lambert ? Mec, Vesemir, il mangeait là, il est parti faire cuire là-bas, vraiment, estomac sur pâte. Qu'est-ce qu'il te faut ? Regarde-moi ce stance de connard. C'est bon, j'ai les ingrédients. Tout va bien à l'étage ? Bien, mais il te faudra autre chose pour préparer l'élixir. La griffe d'une bête puissante et de la Kélidouane. Mmh. Vesemir t'indiquera où en trouver. Ok. Je vais te donner la formule. Ah putain, il y a des formules ! Oh là 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 là. Oui ? Oui ? Lambert m'a donné la formule. Je suppose que vous avez déjà la mouette immaculée et du calcium et quoi. C'est exact. Et ensuite. C'est la veuve de Strix dans Dragon. Kélidouane. Oh, ça fait longtemps que je l'ai vu. Prenez donc, ce que j'ai. Peut-être si tu plus le dis. Si une tu griffe dis. De monstre, comme celle de l'épouvanteur. Pour dépecer une créature, ah ouais, ouais, ouais. Prenez un poignard acéré et coupez le long du torse. Ah ben, je pense qu'on ce soir on sera pas les seuls à le découvrir le 1. Préparer l'élixir. Est-ce qu'il y en a déjà qui l'ont fini ici? Ah ok, d'accord, ok, le chef du village viking sagé. Parce que moi j'ai joué un peu mais je l'ai absolument pas terminé. Attends, elle est où Triss? Ah, elle est là. Bah non. Ah, elle est là. Mais oui, oui. Je vais essayer ce que je fasse. Et si je me trompe d'ingrédients? Vous devrez en trouver davantage. Où? Oh, le trigger. Triss, cette seule pute. De la Kélidouane. Oh, tu te calmes, calme-toi. Vous trouverez du calcium à l'étage. Put the coconut down. Ne vous trompez pas. Ok. Nous parlerons plus tard. Moi, The Witcher, c'est une histoire compliquée. Mais pourquoi? Pourquoi ça, mon bon Ellie? Comment je fais de la potion? J'en ai marre, ça me fait peur. Formule. Faut que je me repose, non? Je vais mettre à poil. Je sais pas. Dans le premier, elle m'a saoulé à la seconde réplique. Ah ouais, quand même. Ah, c'était pas mal, ça. Ouais, un petit peu de poulet. Combien de temps? Ah, 9 minutes, ok, triste. Merde. Attends, dans le chaudron peut-être? Alors, clé de folle progression, c'est parti. Elle est où la fiole? Ok, elle est en haut. J'ai vu. J'avais testé le 2 à sa sortie, ça m'avait gavé l'impression de commander un pétrolier. Ah, mais dans le 2, c'est vraiment hein, c'est un cube, hein, le mec. Hein. Alors, ok, griffe d'épouvanteur, ouais. Ah si, faut que j'aille dehors, j'en ai pas, je crois. Oh, sa mère. Sélectionne la formule appelée élixir portrice pour ajouter automatiquement les ingrédients, puis clé sur mélanger, qui enfin sur le sablier pour faire la potion dans la munition. Okay. Comment ça marche? Où est-ce que la marche face? Comment ça marche? Substance sociale, vitriol, rubis. Mouette blanche. Ok. Rubis. Et ok. J'étais pas fort en alchimie déjà à l'époque. Ça a pas changé. Et je mélange. Ok. Parfait. Je me casse. Bon bah méditudeur alors. J'ai un pote qui bossait pour CDPR en tant que CM France et qui voue un tel culte au 3 à CDPR qui m'a simplement cœur du jeu. Ah. Ah, ça c'est dommage ça. On veut le peu d'envie que j'avais de travailler le 3 malgré tout le bien que j'entends. Ah non mais c'est... Bah c'est bon non. Je suis pas réussi là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah. Ah. Inventaire. Bon.
Ah, mais attends, mais j'ai tout niqué là. Et merde, bon, attends, j'espère que j'en. Merde, je te range. Enfin, je te vois dehors. Tu pouvais me dire qu'il y en avait, mais j'ai mis un ami. Oh, c'est ça qu'il me dit. Oh, je suis trop con, j'ai oublié de prendre un truc. Ok, ok. Bah, vas-y, hein, tranquille, Stargate. Alors. Tu vois pas grand chose? Mais il y a un là-bas. Attends, ah, c'est vrai que je peux faire halt pour voir. Oh, je suis en train. J'attendais que ça se calme sur Paris pour qu'on fasse un truc. Ah, mais sur Paris, mon pote. C'est wild en ce moment, hein. Entre les croche-pattes, le tabassage en règle. Pff, non. Ok, mais j'ai jamais fait ça. Stylé. Alors, clé sur la table de vendeur, on est en train de faire un chez Mick. Ok. Œil et griffe. Ah, mon cœur. Ah, je fais un organe. Okay. Je me barrais. C'est trop beau. Je sens mal, je me sens mal si je me casse. Pourquoi ça fait. Attends, et si je fais. Croc, ça fait un secret de ouf. S'ils résonnent tous. Genre, ça ouvre la porte vers le. Je sais pas, le futur. Là, y'a rien. On va descendre. Attends, je crois que j'ai paumé un ingrédient du coup en faisant une potion à la con. Je sais pas s'il y a du loot ici. Non. Oh, c'est beau les oiseaux. Des sociaux. Magnifique. Et là, bon, voilà, c'est tout, c'est niqué. Okay. Bon, bah, je vais retourner à l'intérieur. J'espère que j'ai tout. De toute façon, c'est dans. Oh, je reparlerai vu l'endroit où ils sont, de toute façon. Pour moi, c'est bien. Je peux pas sprinter. Dommage. Non, bah non. Bon, bah, je vais pas la toucher. Hop. Entre là, dedans. Ok. Attends, je vais 5. Genre. Oh putain, je suis perdu. Alors. Est-ce que je peux le faire? Il me manque un truc. Il me manque un truc, j'en ai marre. Fais chier. Le sgay. Putain, fais chier. Ah, c'est la merde. J'ai pas envie de méditer, casse-toi. Mais c'est merde, c'est un problème. Il manque un truc. Oui. Je voudrais plus de ces plantes. C'était plus. Merci. Attends, ah putain. Tout qui s'éteint. Mais non, mais arrête de méditer là. Je m'en fous, va pas lui parler. Va lui parler, je s'en oublie. J'ai oublié, j'ai utilisé trop de trucs. Oui. Attends, oui, c'est parti. Lambert et Eskel. À l'étage. Lambert est dans la bibliothèque. Et Eskel ramène Triss dans sa chambre. Elle peut-être plus d'iquette. Tous les ingrédients. Bien. À présent, reposez-vous. Et préparez l'élixir en respectant la formule. Nous parlerons plus tard. Le problème, c'est que. J'ai du rubis, mais j'ai pas du calculuclum. Il est où le calculuclum? Oui. Le clum. Et si je me trompe? Non, mais putain, c'est pour ça que je vais faire. Je me charge de la griffe. Est-ce qu'elle a encore de l'alcool? Et vous trouverez du calcium à l'étage. Ok, du calcium à l'étage. Nous parlerons. Parfait. Bon, allons à l'étage. Mec, il y a quand même des griffes en rab. Genre chez lui, tranquille, dans son petit coffre. Je peux monter par la cuisine, je crois. Je sais plus. Si je fais monter par la cuisine. Hop, parfait. Oh, c'est pas posé, je peux monter quand même. Oui, oui, je peux monter. Alors, hop, ouais, parce que j'ai vu que ça repop dans un coffre. Peut-être tout au fond, du coup. Pour le calcium. Putain, ça charge vite, c'est cool.
C'est le ciel. Oula. Tranquille. Nous discuterons plus tard. C'est pas ça que t'as dit, mais c'est pas grave. Salle de réception. Ah, peut-être dedans. Pas que j'en ai trouvé. Merde. Mais dis pas que je me suis niqué, hein. Ah, non. Okay. Dis-moi qu'il y en a dedans. Parfait. Ok, c'est parti. Bah attends, faut pas que j'aille la donner à Triss. Entre les émirs, méditer. Ouais, méditer. Ouais. Je vais méditer là à côté du feu, vite fait. Ou c'est vraiment à côté de la bouffe. Non, ok, je peux pas. Dommage. Vraiment être sur un feu de camp. Je sais pas si je terminerai le tuto. Oh, si, quand même. Puis. Qu'est-ce qu'ils font là, les oiseaux? Et cassez-vous, vous êtes à l'intérieur, bande de cons. C'est combien de temps que je pensais? Oh, ça fait qu'1h46. Ça va avoir. Et même pas 2h. Tranquille. Okay, hop. La potion. C'est qui fait? C'est dit tout beau? C'est dit tout bon? L'état du château, la différence entre intérieur et extérieur, c'est plutôt ténu. Oh, c'est qu'une question de point de vue. Alors, c'est vitriol et rébé. Vitriol. Rébé. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est rouge? Ah, c'est que du rubido. Et ça. Ok. Merde, mais... Par contre, je viens de méditer tout le temps, là. Relou un peu, hein. On a parlé éclairage, qui est... Qui est-ce qu'il est, clairement. Enfin, j'aimerais bien une cinématique assez vite, quand même. Pour que je puisse aller faire pipi tranquillement. Je sais qu'il y en a une dans pas longtemps, enfin, qui est censée arriver à un moment donné. J'aimerais bien qu'elle pointe le bout de son nez, là, quand même. En plus, elle est trop cool. C'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Putain. Là, voilà. Oh, god damn. Oh. Panty short. Ok. Double cube en ayant l'espoir de la trise, vous pouvez aussi le glisser déposé dans le cercle prévu à cet effet. J'ai quelque chose pour vous. Et hop. Merci Gérald. J'espère que cet élixir. Ça fera 50 orins, s'il te plaît. J'ai rêvé que Lambert était avec moi. Il disait : vous n'allez pas me faire le coup de mourir, Marigold. Et aussi, vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir. Bah, il a pas tort. J'ai de te voir. Quoi? Je suis ravi que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir. Bon, faut baiser, c'est bon. J'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Et voilà. Tu ne veux pas rester encore un peu? Avec moi? Oui, 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 elle sait. Je suis si contente que tu sois de retour. Et poser mon casque, si ça pèse, c'est cinématique, moi j'y vais. Hein. Plus fort encore. Ah mais non, faut que je me mute. Je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr, je ne vais pas te harceler. Mais, en par les énergies, je me comporte comme une écolière. Concentrons-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Il baisse des intros du jeu, tu viens attendre un peu pour là. Oui, 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 clairement. Alors, tu n'as pas démérité, tu nous as bien aidés. Tu n'as rien à te pardonner, à te faire pardonner, ce que j'aurais senti. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, c'est dépasser tout. Tout le monde comme ça, il faut y retourner. Ah, on est un lover un peu, on est pas un lover. Allez, Kiken ou Kiken? Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Le premier service. Ah, non. Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. Dab. Tu m'as tant manqué. Voyons si le meilleur lit de Kaer Morhen peut nous supporter. Ah ouais, mais maître disquetteur quand même le. À
Attends, hop, juste me mute. Oh, Gérald, c'est un plaisir. Comme toujours. Comme toujours ? Tu as tout oublié ? Je le crains. Eh bien, ça te fait quelque chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est finie la bataille. Ils sont entrés dans le labo, ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vézémir. Encore un de ses protégés mort prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leur perte pourrait être catastrophique. Nous ne devons pas perdre de temps. Ok, je suis là. Combien de temps avant ce qu'elle baisse d'ailleurs ? Ah, 1h51, 1h51 avant de baiser. C'est propre. J'aime bien. Oh, c'est une question. Le family de Carmorène, le family de Carmorène bien connu qui peut encaisser n'importe quel coup de rein. Attends, je me remets bien. Ah, j'ai mal partout, mec, j'ai mal partout. Le truc marrant, c'est que les gars qui ont lancé le 1 ignorent l'existence de Ciri et de Yen. Ah, Poto, tu m'étonnes. S'ils ont pas lu le premier bouquin, ils savent rien, les mecs. En vrai, dans le 3, ils ont bien rebondi sur le truc avec Yen qui balance le lit par la fenêtre. Ah oui, c'est vrai. C'est juste qu'ils suivent le lore de leur jeu. Hein. Bah, on va te dire, c'est normal. Voilà. Alors... ça parlait de quoi ? J'ai pas suivi, du coup, je suis en train de pisser. Tu peux me rendre la mémoire ? Oh. Il faudrait t'examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances ? Il serait utile que je sache qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons ? Non, tu vois, tu as parlé des conséquences du vol. La plupart des magiciens et des souverains vendraient leur âme pour ces mutagènes. Seul un maître des arcanes saurait les utiliser. Et il en reste peu. Et si c'était un riche marchand, un duc ou un roi ? Tout est possible. Mais les conjectures sont une perte de temps. Mais Nignan, regardez, tu connais des mots savants. Nous y allons ? Non, pas encore. Moi, Guigui, on y va. Que sais-tu au sujet du mage qui a pillé le labo ? Écoute-moi, femme. Il est très puissant. Il a réussi à canaliser l'énergie du cercle à la perfection. Nous devrons sans doute compter avec un nouveau Vilgeforce. Qui ? Peu importe. J'aimerais t'enseigner quelque chose. Du coup, c'était bien la baise ou pas ? J'ai pas vu, moi. Je vais reparler à Tris, vas-y, on allait en terre monde, Léo. Oui, bah, let's go. Inutile de faire attendre vas-y. Une chatte. Viens. Parfait. J'ai raté aussi. Oh, bah c'est dommage. Oh, quel dommage. Oh, Léo. Tu ne seras pas oublié dans nos mémoires. Vive à jamais. Bisous. Je fais de... Nous ignorons d'où venaient ces bandits et qui bon, les a fait les mieux. En groupe, nous sommes trop voyants. Et séparés, nous couvrirons plus de terrain. Je pars vers l'ouest. J'y connais du monde et je préfère les climats côtiers. Alors j'irai à l'est. Vers Kedwen, si ça vous convient. Parfait. Et pour moi, alors ? Partez au sud, vers la Temeria. Le roi Foltest est votre débiteur. C'est vous qui avez brisé la malédiction qui pesait sur sa fille. Les bandits pourraient s'y trouver. Et vous, Thaïs ? Je ferai jouer mes relations pour retrouver leurs traces. Le cas échéant, je contacterai Gérald. Tiens donc. Je vais vite mener ma petite enquête, et je te retrouverai à Vizima. Tris... Je sais pas où c'est. Je déteste les adieux. Les effusions, les pleurs... Il n'y a rien de plus lamentable qu'une magicienne en larmes. Vous êtes qui va pleurer ? Connasse ! Et reste en vie, Gérald.
Je ne supporterai pas un second deuil. À bientôt. Tu verras quand il y aura une très grande et magnifique brune. Une blague de cul. Au revoir, ok. Tris. Allez. C'est deux putes qui causent. La première demande à l'autre. T'as demandé quoi au Père Noël, toi? Et l'autre répond. À 50 balles, comme d'hab. Ok, ok, j'ai... Ok, elle est bien, ok, elle est bien, ok. C'est pas la blague de la puce et du concombre, mais elle est bien. Pour ceux qui ont compris, le Père Noël, il est aux putes. Avec la bite. Salut, classe IS. Ça va ou quoi? Par une fois, c'est ni une blague nulle, ni une blague trop hardcore nulle. Non, ça va, c'était bien. Ok. Ah merde! Attends, est-ce que... Bah du coup, quand on lui dit non... Je crois que quand on dit non à baiser avec Triss, on peut se brûler la gueule avec les copains. Je crois. Je suis pas sûr. C'est la première fois que je viens sur le stream, je fais la méga force depuis plus longtemps, genre longtemps. Ah bah installe-toi, ça me fait plaisir aussi. Ce n'est plus très loin. On arrive. C'est frais, oui, c'est un petit vent de fraîcheur cette blague. C'est très, très délicieux. Petit coup sucré dans la bouche. J'ai froid. Ta gueule. Tu trouveras du lait chaud avec du miel. Mec, même la meuf random, elle a une paire. Merci Caroline. Mec, regarde. Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens? Des chiens? This is not some chien. This is des loups que Momo apprécie beaucoup. Alvin, fais exactement ce que je te dis, d'accord? En tout cas, ça me fait plaisir là maintenant, mais ça nous fait plaisir. Et ne te retourne pas. Classe IS. Compris? Un viewer de l'ombre. Pas gentil. Cours. Ah mais mec, mais chez CD Projekt, ils avaient la main dans le slip en permanence. Ils avaient faim tout le temps. Vraiment. T'as ce chamblard du arbitre. Et hop. Mais c'est quoi ça? Ferme les portes vite. Toi, ferme ta gueule! La bête nous attaque, sonnez l'alerte! Pas drôle! Je vais te fumer! Un verre, s'il te plaît! Fais ce que je dis, fous-toi à poil et danse! Classique! Oh non! En 2007. Bon, il y a Mass Effect! Bon, 2007 quand même! Oh yes, meilleur perso! Meilleur perso du monde! Ma femme! Shani! N'ouvrez pas la porte! Ces chiens sont des tueurs! Vous n'êtes que des monstres! Laissez-moi passer! J'irai la sauver! Ne sortez pas seul! On va tous y Shani, best girl! Best fucking girl! Je brûle! Poussez-toi! Mais prends l'épée. Attends, je vais me faire fumer là. Mais non, mais attends, y a rien qui se passe bien là. La meilleure du monde, ouais, je m'en fous, il y a de la vie, vite. Mais non, je m'en fous. Je peux pas manger en combat. Mais non, mais attends, mais mec, mais... Oh putain. Oui, bah je sais, je vais mourir. J'ai mouru. Ah. Ah. 21h53. Ah. It was very long, je crois qu'il y a eu une save photo. Il y a pas eu de save photo. Ah, I am con. Oh putain, fais chier. C'est comme le tirement qui protège pas bien. Ah bah ça... Bon, attends, je peux passer? Yes. C'est bon, y'a rien. Bon, c'est ma première mort. Speedrun Strat. De quoi? De quoi Speedrun Strat? J'ai fait chop. Geralt, il y a une femme dehors. Allez. Ok. Non mais c'est juste qu'il a pris son vieux...
gratuit. J'admire la dextérité du Witcher, ce mutant hors norme, possédant des capacités dignes de magicien, qui ferait pâlir le plus fort des humains. Et il est mort contre 3 chiens. ouais, 3 chiens un petit peu vénère. Ouais. Bon, ils étaient resplendissants en vert, mais bon, ça c'est qu'un détail. Voilà, là c'est mieux. Qu'est-ce que c'était ? Ok. De la magie. Sans même Shani ? Non mais mec, mais... Non, vraiment, ils avaient un problème avec les nichons. Gérald ! Okay, fume-le ! Le temps du glaive et de la hache approche. Merci Vito. Ça va ou quoi, vous avez... Merci pour la sub, poteau. La fin des temps. Le monde disparaîtra sous les glaces et renaîtra du soleil neuf. Alors. Il renaîtra du sang ancien de Henniker. Alors ça, c'est pas le bon jeu. Qui ne germera pas, mais brûlera. Voilà. La prophétie elfique d'Islin. Tranquille, bah parfait. J'espère qu'il va bien. Ah, je traverse le jeu, pas impressionné. Ah non, mais il était. Oui, on dirait. Mmh. J'espère qu'il n'est pas. Tu peux me resservir un verre de je m'en bats les couilles. Je vais quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ne doit pas rester seul. En attendant, nous logerons à la taverne. Et on va baiser. Je suis tombé sur des chiens sauvages. Non. Mais ils n'avaient rien à voir avec ceux-là. Et je ne parle pas seulement des poils verts. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Ça fait un moment qu'ils terrorisent le village. La meute est menée par un grand chien. Surnommé. Alors, ouais! Il doit y avoir quelqu'un prêt à payer pour tuer la bête. C'est votre métier à vous, les sorceleurs, non? Assez parlé de monstres. Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche des hommes qui portent les cuissons de la salamandre. Et je crois que je me suis arrêté un peu après. Genre vraiment. Quelqu'un comme ça est pas. Donc là, je vais faire de la merde et m'aventurer un peu partout. La révérence est peut-être quelque chose. Profites-en pour lui parler de la bête. Bonne idée. Tu voulais me demander quelque chose? Tu connais ? C'est moi, Shani. Tu ne me reconnais pas ? Je te croyais mort. Moi aussi, je me croyais mort. Hélas, j'ai perdu la mémoire. Mes souvenirs s'arrêtent à ces dernières semaines. Et voilà. J'ai peur de ne rien pouvoir faire. La médecine est balbutiante ici, dans le Nord. Ouais, tu veux dire que tu prends 3 heures, mais... Tu fous pif. Ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, je m'habitue. Je ne devrais pas le dire, mais en ce domaine, les magiciens sont parfois plus efficaces que nous autres médecins. Non, caché. Non, mais à gauche, il a mangé son meilleur taco suivi viande et il ne le digère pas beaucoup. Qu'est-ce que tu sais sur la salamandre ? C'est un groupe de bandits qui terrorise les gens d'ici. Hier, ils ont ramené un garçon qu'ils avaient fouetté avec une lamie. Une lamie ? Ah bah. Une cravache de mutilation, d'accord. Pleine de barbelures et de crochets. Un point à garde vitale, mais tu le que de l'homéopathie. Oh la pute. Le garçon délire. Elle va te donner des cailloux et te dire... Du révérend. Tu vois ce caillou là ? Il est mort la nuit même. Quand tu le rapproches de ton cœur, il te donnera fortune et bienveillance. 50 balles par contre, le caillou. Ou ça ne me. C'est nulle part, Adoum. C'est une blague. Range torche et fourche. Tu te calmes. Va faire un tweet. Va vanner l'homéopathie, Adoum. Encore. Quand tu es quelqu'un que j'étais proche, j'ai mon voulu GQ. Ils ont tué quelqu'un dont j'étais proche et m'ont volé quelque chose. Je n'aimerais pas être à leur place. Moi non plus. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je vais à l'hôpital Lebioda à Vizima. Petite pull de jus pour tout le monde. Ah putain. Tu pars quand? Dès que j'aurai soigné les victimes des chiens, je pense. Je ne peux pas les abandonner. Ça va me retarder, mais certains d'entre eux seraient condamnés sans mon aide. Il y a deux trucs pour énerver Adwim, l'homéopathie et les éoliennes. Et si tu veux le calmer, t'as les centrales nucléaires et les portes blindées. Et voilà. Une magnifique porte blindée. 20 cm d'épaisseur. 6 mètres de hauteur. Délicieux. Tout le monde joue au Witcher en ce moment? Bah. Tous? Qui c'est qui joue au Witcher? Attends. Qui c'est qui joue au premier The Witcher MTE? Qui? Si tu me dis Yadar, je te banne. Et comment ça va? Coucou. Personne sur cette terre ne joue. Attends. Qui c'est? Combien il y a de gens qui jouent au premier The Witcher là maintenant? The Witcher, espèce de trou de balle. The Witcher, charts. Charts. Oh! Oh, pff, ouais, je me suis tué. Steam charts. Fais voir. Non, pas le 3. Ouais. Ah, quoi? Oh merde!
Oh merde, mec, il y a 4393 personnes qui jouent au premier The Witcher il y a 4 minutes. Putain. Eh ben, j'en tombe tout nu. Oh mec, attends. Ah ouais, ouais. En novembre 2019, il y avait quand même 700 personnes. Et en décembre, à l'heure de la sortie, enfin quand la série est sortie, pic à 2000. Allez, plus 253% de gain. Pic à 12 000. Pic à 12 000. Oh putain, mec, c'est n'importe quoi. Putain, je pensais pas qu'il y aurait autant de jeux. Ah, on me comprend pas bien ? Pardon, j'articule pas bien. Excusez-moi. Attends, je vais regarder les stats du 3. Ça doit être n'importe quoi. Je peux écrire ? S'il te plaît. The Witcher 3. Steam. Non, pas Steam Key, je m'en fous. Steam Charts. Super. Alors. Quand même. On passe de novembre, 13 000 en average, pic à 26, à décembre, 27 000 en average, le gain plus 14 000, plus 107%, pic à 94. Et là, aujourd'hui, dans les 30 derniers mois, on est à pic à 103 000. Ah, c'est pas mal. Belle remontée du joueur polonais. C'est beau. Ah merde, putain. Et début 2019, oh, pas de monde. Attends, je vais regarder juste pour le premier Witcher, et puis après on continue. Faire, il y a longtemps. Il y a début 2019. Oh si, il y avait quand même 700 personnes. Il y a quand même du monde, hein. En vrai, il y a quand même du monde. Il y a pas moins de 500 personnes, en général. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal pour un jeu qui date de 2007, c'est honorable, je dirais. Oui, bah ouais, forcément, il n'y a ni les scores console, ni les scores craqués, mais... Et Alvin, c'est pas mal, quand même, pour un jeu de 2007. Je l'ignore. C'est propre. Un villageois le recueillera peut-être. Tu tombes pas trop nu, s'il te plaît. Eh, il n'y a pas de caméra, je fais ce que je veux. Tu voulais me Ça se trouve, là, je stream, je suis tout nu, hein, MTE. Ça se trouve, sous mon jogging, j'ai rien. On parlera plus tard. Ça se trouve, sous mes vêtements, je suis nu. Ok. Des monstres et des humes. Très bien. Croc de la bête. Ok, crâne de la bête, je prends. Hop, je prends. Alors, faire les quêtes. Des monstres aux hommes. Je dois rentrer la pour résoudre le mystère des faubourgs. Et bah, faut aller au révérend. Un faubourg, c'est salamandre, ok. Et ça, c'est, on s'en fout. Ça se trouve, Yadar est en train de cosplay Triss. Ah, peut-être, hein. Ça se trouve, je suis en train de cosplay Mademoiselle Gros Téton dehors, là. Et ça, personne le sait. Que j'ai soif. Moi de même. Je prends tout, hein, faut pas m'en vouloir. Soyez sur vos gardes. Hébergiste, voyageur. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un panneau d'affichage. J'y trouverai pas. Comment elle roule du fion? Je suis un douche du salope. Non, moi je suis un homme, je me douche habillé. Non mais oh, tu me prends pour qui? Alors, mandat d'arrêt. Ah, c'est pour la quête secondaire ça. Bon bah, je vais prendre quand même. Okay. Je sais pas si je ferai prendre pas les quêtes secondaires. Les routes vont devenir de vrais bourbiers. Il est où le... Ça pleut tant que ça peut. Soyez sur vos gardes. Par là lui. Oh putain, oh les doubles bontons. Salutations. Oh c'est chaud. Je suis coincé ici avec ma marchandise alors que ma femme et mes enfants m'attendent en ville. Vous ne pouvez pas entrer ? Les portes de Vizima sont fermées à cause de la peste. C'est quoi cette VF? Pire qu'une épidémie pour le commerce. Il va falloir. Son menton a des doubles mentons. Ah, non, mais là. Parce que tous les malades sont morts. Mais la bête et différents malades. Mais la bête. Peste. Ok. Je peux vous poser une question. Ces joues ont des mentons. Alors, voyons ces marchandises. Il y a de l'eau, il y a des framboises. Oh, il y a des framboises! J'ai pas de thunes. Il y a des bandits dans les faubourgs? Plutôt, oui.
Ils se font appeler chanteurs de TTC. Je connais pas. Je ne connais point. Vin. Il paraît aussi qu'une secte de Vizima s'est installée ici. Des hommes qui adorent le symbole de la salamandre. Je n'en ai jamais croisé un seul. Parlez-en au révérend. Il est où? Je n'y manquerai pas. Il est où? Oui. C'est lui que je veux en fait. Adieu. Adieu. Il a une cloche, quelle grosse vache. J'aurais plutôt dit un... Ça, c'est une bonne averse. Un port d'odieux. Putain, mec, j'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim, c'est illégal. Auberge et taverne. Méditer, ok. Ok. Cache-t-il ? Oh, trois onces d'optimamate. Oh, t'es un elfe? Goutte de solution mercury. Voilà, t'es qui? Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Salutations. Salutations. Kalksten, alchimiste. Gérald. Bien, bonjour. Sorceleur. Un sorceleur? Combien demanderiez-vous pour me laisser examiner? C'est 6 heures, un peu des singes. Putain, il a mangé, poteau. Vous rendriez un grand service à la science. D'accord, je n'insiste pas. Mais je vous prenais pour quelqu'un qui respectait la science. Je respecte la science et les scientifiques. Les alchimistes aussi, d'ailleurs. En retour, j'attends qu'on me respecte. Je vois. Peut-être accepteriez-vous une autopsie, alors? Quoi? Mon respect pour les alchimistes est en chute libre. D'accord, c'est bon. Désolé. Alors. Ah, mais ça, c'est pour un cas secondaire. Adieu. Je sais pas, ouais, je sais pas si je parle à tout le monde en vrai. Alors, personne. Oh. Oh si, attends aussi. Ta mère. Tu veux te battre? T'as de l'argent? Ta mère aime sucer des nains. Bon, 6-1, toute ma fortune. Sans souffrance, pas de récompense. Ah, vu ta gueule, toi t'as bien souffert. Alors, les personnages avec lesquels vous pouvez vous battre sont signés par le jaune. Bloquer les attaques en cliquant et en maintenant le bouton droit de 105. Tu as envie de cogner quelqu'un? Bah, t'as qu'à cogner ta femme! Oh, c'est peut-être un peu méchant. Merde! Quelqu'un veut se battre? Oh, j'ai esquivé. Aïe, oh, j'ai pas essayé celui-là. Hop, esquive! Esquive! Je te pugilie! Je te pugilie! Aïe, ouïe, ouïe! Oh là, dans ta mère! Oh là là, celui-là fait ma fille. Oh! Hypercu! J'ai envie de cogner quelqu'un. Je suis MacGregor! Oh! 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 Vaincu. Je vais avoir mes 12 ans. Je vais avoir mes 12 balles, s'il vous plaît. Je disais, chercher un plastique. Alors que pourtant. Encore perdu. J'aurais dû m'en douter. Sale merde, va. Tiens, pour Nord. Gérald qui est un immense connard. Peut-être qu'il veut se battre là vite fait là. Quelqu'un veut se battre? Ah, je suis chaud moi. Aïe, aïe, ça suffit. Tu veux prendre. Attends, est-ce que je peux tous me les faire là? Fais voir ton argent. Attends, je vais me faire un peu de thunes. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. Ouais, ouais. On verra. Prends tes rêves. Alors, personne? Quelqu'un veut se battre? Ok, c'est parti. Merde, il m'a touché. Je sais pas c'est quoi le timing pour bloquer. Ouais, bah c'est pas celui-là. Alors, c'est pas celui-là non plus. Est-ce que je peux rouler? Non, je peux pas rouler. Bon, enfin que je suis... Mec, je pourrais en bloquer aucun, je pense que je n'irai quand même. J'ai envie de cogner quelqu'un. Hop, voilà. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est chelou un peu l'esquive. Mais je veux ma thune. Oh! What? Quoi? Tu gagnes, vagabond! Toi, il a abandonné, mais quel PD! Ok. Hop. J'ai un petit peu de poulet. Ah, mais putain, mais c'est pas l'endurance que je veux! C'est ça! C'est la vie! J'ai combien de thunes là? 24? Ouais, vas-y, attends, j'en fais encore un peu. Tu veux prendre ta raclée, l'étranger? Fais voir ton argent. C'est parti. Hop, 24. C'est le premier. Il m'a dit pas question là?
Je vais et ouais, ouais, ouais c'est le premier. Ça va me rapporter du pognon. On verra. Je me les fais tous à la suite. Aïe. Voilà. Voilà. Aïe, oui, aïe, oui. Aïe, il en fout des grosses quand même. J'essaie de modder. J'essaie de modder Geralt et lui filer de la dame verte. Oh là. Toi, tu mets des modes dégueu sur Skyrim, je me trompe. Il y a un peu le temps de. Tu vois pas que je suis en train de me battre là. Je jambe, je jambe, je jambe. Gauche droite, uppercut. Merde, putain. Bon, y'a qu'ils ont plus de vie là, allez. J'ai l'impression de taper. Merde. Le gros dans Kaamelott. T'exploser la tête. Mais. C'est nul. Voilà, putain, j'ai eu peur. Non, je peux pas me peur. Cardog, voilà, putain. Hop, Oli. Voilà. Tu m'as ton flouze. Ah. Tu es couché. J'ai des conversations. Des conversations. Conversation de voiture sur GTA 5, le test du bonus. Oh putain. Ackerman. Ok. J'ai dit. Tu veux. Non. Nous parlons. Il est où le révérend? Violoniste? Vieux paysan? J'ai besoin de repos. Ah. Vesna. Oh pardon. Salut, c'est une pute mignon. Vous avez l'air épuisé. Attendez. Non, c'est une meuf. C'est pas vous qui avez sauvé le gosse devant les portes? C'était un hasard. Ah oui, un hasard, viens dans la chambre derrière. Qu'est-ce que ce sera? Une bière. Attends. Mais vous me tiendrez bien compagnie. Sans façon. Je suis une fille honnête. Ah, pas pour aujourd'hui. Ah. Ne vous formalisez pas. Attends, disquette. Aveugle pour vous ignorer. Monsieur, c'est si prendre. Qu'est-ce que ce sera? Et pas dans la vraie vie. Rien. Non, je peux le droit. Vous me tiendrez bien compagnie. Sans façon. Mais. Vous êtes toujours. Comment osez-vous. Ah. Ouais, bon, ouais, sale putain. Putain, Olaf le dernier. Oh la brute. Une bière. Une bonne bière, s'il vous plaît. Dick ta bière, j'ai alors. Demandé une bière. On est à sec. Mensonge. Bien. Voyons ce que je peux vous trouver. Ah, je lui ai répondu trois petits points et apparemment ça l'a convaincu. Finissez votre bière, on ferme. Tavernier, vous allez me mettre en colère. Ce n'est pas ce que vous voulez, si? Non. Bon, non, je me l'avais dit, oh là. Vous voulez quoi? Alors. Je cherche quelqu'un qui a fait halte dans votre taverne. Faites le tour des tables. La nuit, les clients se reposent dans leur chambre. Oh putain. Revenez au matin pour leur parler. Je vais faire le tour. Vous voulez quoi? Vous avez une chambre? Pour vous, c'est 5 orins. Non, merci. Attends, je vais lui parler pour méditer. Mais je peux pas méditer tout seul. Chani, Alvin. Monsieur le Nice. Attends, par hier. Je parie que vous avez de la chance au. C'est Geralt, hein, pas Geralt par contre. Je ne suis pas un tricheur. Je vous propose une partie honnête. Il y a un air de Legolas. Pourquoi me choisir moi? Oh, ça c'est des cheveux longs. Le risque ne vous fait pas peur. J'aime ça. Il blanc. Un adversaire. Aussi. Ma bourse est aussi vide que le soufflet d'un forgeron. Tu m'en. Je connaissais un chasseur qui aimait jouer, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Vous avez dû le laisser aussi. Ah bon, GG, tout le monde le connaît. Oui, bon. GG, voilà. Les mises importantes l'intéressent. GG, ça passe. Mais les dés étaient contre lui. Mm-hmm. Qui est ce chasseur? Jamais vu quelqu'un avec une telle poisse. Il a perdu une fortune. Ah, mais c'est Scad. Il réclamera son or quand il reviendra. Et t'inquiète pas que ta tête, mon gars, va être compressée. Vous gagnez bien votre vie avec vos dés? Ça dépend de ceux qui jouent. Évidemment, Vizima compte plus de parieurs. Et où peut-on faire une bonne partie à Vizima? Si votre bourse est pleine, au nouveau Narakort. Il y a aussi l'ours poilu. Ouh, t'inquiète, s'il faut se battre, je suis là. Bibou. Adieu. Bon, du coup, je vais méditer ce matin, j'imagine. Bah, je vais te parler à lui. Je vais. Ah non! Putain, merde! Ah non, là, je peux déposer des trucs dans le coffre. Bah, ça, je m'en fous.
Ok. Ça, j'en fous. Les ghouls, je m'en fous, c'est fait. Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Enfin, ça, j'ai déjà lu. Hop, ça, c'est fait. C'est lu. Et puis, ça, je garde. Merde, je peux pas dormir. Vous voulez... Non. Je vais... Adieu. Si, mais attends, j'ai cru... Si, attends, est-ce que... Faut que je parle de... Attends. Oui, je sais, oui, non, je m'en fous. Vous avez une chambre. Ok. Ouais. Il est quelle heure? Il est 1h du mat. Eh ben... Non, parce que petit matin. Non, midi. Non. Hop, 7h. Voilà, parfait. Hop. Personne n'allait dormir. Le monde a été figé, parfait. Alors. Ok, bon. Alors, paysan. Antiquaire, dis donc. C'est normal, hein, les sons Windows, je fais Alt. Je alors, cherche du coup, là, tu as... Le tour des tables. Je vais faire... Vous. Putain. Adieu. Il est où, Et c'est pas l'antiquaire que je veux, moi. Il est où, ce con? On adore ça? Non, ok. Bah merde. Et dire... Bon, je porte. Je ne peux pas entrer. Quelque chose vous intéresse? Détroussez-moi en plein jour, vous gênez pas. Oui, tu vas te calmer. Commerce. Ma vie, mon sang. Oula. À plus tard. Ne me reste pas la parole. Non, attends, bah, c'est ok, il faut que je parle. Le révérend pour résoudre le mystère de Faubourg. Ouais, mais il est où le révérend? Oui, il n'y a pas marqué révérend là. Oh, je peux. C'est pas du vol? Oh, bah, je prends moi, non mais oh. Il s'égueule le type, on dirait le vieux qui font exploser les pneus dans les vidéos russes. Ah non, bah après, c'est des Polacks, hein. Faut pas s'étonner, hein. Alors, je sauvegarde aussi parce que ça fait un bail. Herboriste, mercenaire. Il est où le révérend à la con? Storm. Putain, mais il est où ce con? Je perds mon temps. C'est dur la vie de soldat. I am Pomed. Putain, les menus, ils sont dégueulasses. Ah, mais il est là-bas. Ah. Okay. Ah, mais il y a un marqueur. Oh, mais c'est bien ça, c'est cool. Ah, oh, ça me... Ah, ma tâche n'est que bien plus facile. Ok. Ça va les graphismes caca sinon. Eh oh. Eh, crache pas sur le jeu, il est pas mal. Maison abandonnée. Ok. Je ne pointe pas. Oh. Ah, oh là. Il date de 2007 quand même. Oh, ah. Est-ce que... Ah, tu calais quand même. Il date de 2007 le jeu quand même, hein. Il y a des trucs plus moches dans le jeu, alors respect un peu. Par la maison du révérend. Chasseur du roi. Bien le bonjour. Salutations, sorceleur. Je suis le chasseur du village. Putain, mais lui aussi c'est un double reconnu. Vous voulez savoir comment je vous connais? Non? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je dirais pas plus beau que... Attends, il est sorti en 2010, ce Skyrim, non? Nous sommes par des Polacks, ça vaut un nier 1090. T'es méchant là. Mais non, il est quand même assez joli, je trouve.
Adieu. Ah, mais j'ai pas envie de faire les quêtes secondaires tout de suite. Enfin, je sais pas si j'en ai forcément besoin des quêtes secondaires en fait. Si je peux pas sauter, ça pose un peu aussi. C'est pas Oblivion en 2007 ? Bah, Oblivion en 2007 et Skyrim en 2010, non ? Ou 2012 ? Je sais plus. Ça fait rétro. Ouais, bah, lundi, oldie. Rétro. Petit truc là ? Petit. Non ? Coïncidence ? Je sais pas. 2011, ok. C'est paysanne. Ah ! Mais c'est pour ça que tu joues pas un jeu d'il y a moins de 10 ans. me dis bien. Oblivion en 2006. Putain, Oblivion en 2006 et The Witcher en 2007. Ah non, c'est chaud par contre ça. Un an de différence. Niveau sortie. Se dire qu'il n'y a pas autant de différence que ça. Au niveau du développement et tout. Oblivion, il est dégueulasse. Hein, par rapport à The Witcher, Oblivion, il est dégueulasse. Rien que déjà là, il y a plus de PNJ ici que dans la bataille finale d'Oblivion. Oblivion, ouais, nique ta mère, c'est bon. Ouais, transition pour que ça, je dis, ouais, elle a tapé. Hein. Oh, la gueule qui se tape. Je suis sorceleur. Et nous, on est la milice. Je ne fais que passer. Faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas malade. Je suis immunisé. Immu quoi ? Faut qu'on vous vérifie. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes dégoûtant. Mais la santé, ça va. Allez-y. Bon vent. C'est ce qu'on me dit dans la vraie vie. Hein. Vous êtes dégoûtant, monsieur. Ouais, mais j'ai la santé. Vous alors. Enlevez des enfants pour en faire des sorceleurs ? Honte à vous ! Toi, ta gueule, toi. C'est impardonnable. C'est impardonnable, gnagnagnagna. Pauvre garçon. Vous êtes grand et moche. Et toi, t'es petit et con, fils de pute. M'en fous. Apparemment, voler, ils s'en foutent. Alors. Hop. Ah, mais je m'en fous, hein. Je pille. Et il est pas là, révérend ? Quand un mec totalement teubé te dit vous êtes dégoûtant mais ça va, j'aurais toute ta vie en perspective. Oui, enfin, moi si un clodo il me sort ça dans Nantes, ma seule réponse c'est que je lui dame un peu dessus, tu vois, et je m'en fous. C'est lui, le dragon qui tue ça vaut quoi. Blablabla. Okay. Il est pas là ce con. Elle est où ? Merde. Bon, je prends tes délicieuses myrtilles, mais il est où le révérend ? Ce mec qui dit ça, il peut pas faire de pas chasser. Bah, il peut rien faire, il a un de QI. Ah, mais il est derrière. Bah non. Mon jeu, il est paniqué quand même. Je ferais mieux d'y aller. La merde, je vois. Maison du révérend, mais il est pas dedans. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour elle ? Déjà, il sait parler. Enfin, il sait parler. Il s'est vite fait parler. La merde. Les sorceleurs sont des rustres à qui on ne peut pas confier la chasse. Avec des glaçons dans la bouche. Voilà, ça. Ah, je crois qu'on va me dire de me casser là. On n'est pas assez payé pour ça. Mikul laisse entrer les moines et les gens qui ont des sauf-conduits. Si jamais... On ne passe pas. Si vous avez un sauf-conduit, okay. Allez voir Mikul. Non, pas de blague. Parce que ça va, mais j'ai cours demain, donc je passe plus le bonsoir parce que je vais pas traîner longtemps. Ah, bah, force à toi, on n'est pas ensemble. Moi, demain, je fais ce que je veux. Demain, je dors et je ne vais pas en cours parce que j'ai validé. Vu que j'ai validé, j'ai pas besoin d'aller en cours. Du coup, mais demain, c'est maison. Vraiment ? D'ailleurs, en parlant de... Mais la prochaine fois que je streamerai, ce sera vendredi d'ailleurs. Ouais, je précise comme ça, pour les gens qui sont encore là.
Mais par contre, il est où le révérend? Je... I don't comprendre. Normalement, il est là le con, non? Ou il est là dans la nuit? Je sais plus. Ah, faut peut-être attendre la nuit. Ah, peut-être dans la chapelle. T'as vu, il est quoi? Stadin. Ah, il est là, révérend. Oh putain, oh lui il sort de vous par contre. Démon. Oh lui il sort je complètement de vous, c'est un chaman. Hein. Je ne vous dirai rien. Je cherche la salamandre. Bah, j'ai validé bah, tous les cours du second semestre, à part un. Je saurais témoigner ma gratitude. J'ai validé le russe, j'ai validé une bête vous l'anglais, j'ai validé. En quoi cela vous concerne-t-il? Je suis sorceleur. Marketing et toutes ces merdes. Il y a peu. Il manque juste le français. Certain Berengar. Il a promis. Du coup, je peux aller où je veux. Mais s'il a détalé en l'entendant hurler. Je peux aller au cours que je veux. Quand je voulais gagner ma confiance, faites briller la lumière du feu éternel. Attends, Saruman parce qu'il a une grande barbe ou Saruman parce que c'est sa VF. Le feu n'effraiera pas la bête. Je me souviens plus de toute la VF de Saruman. Le feu éternel, blasphémateur. Sa puissance effraie les bêtes puisqu'il est dit bien que son âme soit obscurcie, grande et son visage, celui de l'horreur, ne le condamnez pas. Car il portera le flambeau de l'espoir au cœur de la nuit. Ça fait un super grand tatouage comme ça. Vous ne serez en sécurité que dans la lumière du feu éternel. Ça, ça va, c'est un peu mieux. Ça vous coûtera 100 orins. Qu'il en soit ainsi. Nul. Mais le feu éternel doit illuminer les 5 chapelles. Ah, mais attends, faut que j'accuse les trucs, là, se dire. Putain. Alors. Êtes-vous un prêtre du feu éternel? Oui, la même Saruman fait moins éloigné du village. Seul le feu éternel oui, bon, peut eh. Nous sauver du froid. C'est un révérend quand même, oh. Vraiment. Peu de respect. Ainsi le veut la homme de la foi, attention. Qui. La sorcière elfe. Boit beaucoup et qui. L'ancien monde mourra pour renaître. Fait des trucs. Une graine il est cool. Qui ne germera avec des enfants. Pas, mais éclatera en flammes. Vous ne craignez pas les contradictions? Vous vous moquez de moi, sorceleur. Alors dites-moi. Qui vous a autorisé à vous mêler des affaires oui, des oui, humains oui, 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 le scénario. Répondez. Qui? Le feu éternel. Retournez à votre vie de ténèbres. Merde. Ah, je l'ai pas apprécié. Encore une chose. Parlez. Ah si, c'est bon. On dit okay. Que l'église du feu éternel offre une récompense pour les noyeurs. Seulement si vous prouvez que vous en avez tué un. Je reviendrai avec des preuves. Hâtez-vous. Ok, bah attends, j'ai pas fini, parlez. Yo. C'est fini quand moi je finis. Je cherche des hommes portant des écussons en forme de salamandre. Voilà qui est imprudent. Pourquoi? Éveillez leur courroux et vous visiterez l'au-delà très vite. C'est pas ce que je te demande. Je n'ai pas peur. Un autre moi je te demande où ils sont. Venu ici avant vous. Lui aussi affichait la même témérité arrogante. Et où est-il à présent? Il s'est enfui. À chacun son chemin. La salamandre supporte mal l'ironie. Chacun sa roue. Le village a de bonnes raisons de la craindre. Vous devrez tous nous convaincre. Que dois-je faire? Oh, putain. Moi, je me satisferai de la mort de la bête. Quant aux autres, allez voir Odo, Mikul et Aren. Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis. Et c'est parti. Le jeu commence. Sorte. Les habitants les connaissent et les respectent. Odo est riche. Aren est un marchand et Mikul, un garde de la cité. Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village. C'est à voir. Attendez. Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie. Montrez-leur cet anneau. J'ai bien fait de quoi je parlais. Hop. Alors, glissez le chevalier sur le lancement adéquat dans votre inventaire pour l'activer d'un dialogue. Cliquez alors sur l'icône de la chevalière pour une conversion pour la présenter. Ok. Hop. C'est bon. J'ai de quête, toutes ces merdes, ok. Et j'ai toujours pas de... Niveau actuel est 3, vous avez actuellement eu beaucoup de points d'expérience, il faut 10 000 pour ce niveau suivant. Mais comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. J'ai pas de points de talent, c'est ça? Il faut remplir tout ça et genre un point de talent, c'est ça? J'ai aucune idée de comment ça marche, mec. Bon, bah, pff, plus tard. Alors. Ouais, ensuite, du coup. Ok.
Hop. Oh putain. Parti. C'est vrai qu'il faudra en manger de la kit secondaire. Oh, pas, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Ne va pas te faire tuer. Vous, ici ? Bah, aucune importance. Cassez-vous. Cassez-vous tous. J'ai promis au révérend d'allumer ça cette nuit. Oh putain. Est-ce que je peux allumer un feu ? Merde, comment ça marche ? Comment ? C'est quoi le lien ? Ok, d'accord. Ouais, bon, pff, il fait pas très très Saruman, hein, il a juste une très longue barbe. Merde, je vais montrer une image. Ouais, non, mais pas de lien sur le chat. Merde, mais je veux faire un feu. Il a fini que Taras. C'est quand même marrant qu'après 2h30, t'aies pas d'épée en argent. Bah ouais. Il y avait peut-être une cachée, mais je crois pas. Et par contre, j'aimerais bien méditer et faire un feu. Permets de faire unique. Bah ouais, je veux. Je veux mon neveu. Merde, comment je trouve que j'ai des yeux de lynx et je peux pas poste de Link. Ouais, sur le Discord. Ici, sur le chat, pas aucun lien. Porte verrouillée. Ah, mais c'est un hobbit qui habite ici, disons. Je travaille trop. M'en fous. Il faut que je trouve un feu pour méditer, attendre la nuit. Ou alors non, attends, bah, je vais faire une quête du coup. Feu voir. Hop. Quoi ? Mais non, mais Geralt. Si ? Ah. Ah, donc ils sont un peu... Ok, ils sont nulle part. Ils sont pas marqués sur ma putain de carte. Y a pas un truc qui est marqué sur la carte. 10 crânes de bergasse pour Abigail. Michel Mims. Ok. Bon bah, c'est parti, hein. Ça me fait chier, mais on pouvait pas méditer quand on voulait, je croyais. Tant pis, trouver un feu, bah, j'ai l'impression que c'est aussi rare que je... ah non, c'est des humains. Mal aux jambes. M'en fous, t'as qu'à moi courir. Le glaive de mon père, il est plus gros. Ouais, chelou ça, hein. Chemin de la grotte. Vous qui savez que ça. Il y a de la magie. Mais on est sorceleur. Le médaillon, c'est une règle pour détecter les monstres. Vous avez leur présence dans les environs. C'est une règle pour détecter la magie vive. Vous avez du site d'énergie. Qui sont ainsi possibles de trouver. Plus quand même. Ouvrez l'inventaire pour détecter la magie ou monstre. D'accord. Que vous faire? Bon, rituel. Je sais aucune idée de ce que je fais. Hein. D'accord. Mmh. Ouais, comment je fais pour modifier le médaillon du coup ? Censé être dans mon inventaire, mais I don't know. Je vais mettre ça là. Non ? Non, je sais pas. Encore quelques trucs qui m'échappent. Bon, ça va. En même temps, je trouvais pour aller sur Twitch, je comprends pas comment ça marche. Je clique, mais ça ne marche point. Ah, oh. Ah ah. Anneau d'argent. Bah, let's go, hein. Il y a eu des petites tulipes. Vas-y. Il y a quoi là-bas? Là je découvre totalement, c'est pour ça que je suis paumé. Je ne sais pas ce que je fais. Oh. Quoi? Bénédiction de l'air? Ah bah ok. Salut Bambazao ou quoi? Ça a changé Oblivion.
Bah ouais, c'est un peu plus joli, quoi. Et un peu mieux. Et un meilleur jeu. Alors, je vais sauvegarder avant de me faire violenter la nuit par des quelconques monstres. C'est parti. L'ambiance, ça va changer d'un coup. Mais si là, tu découvres, t'as fait quoi les 12 autres heures? Recommencer le jeu en boucle. Quelle idée. Non, mais j'avais dû faire quelques autres quêtes secondaires, mais je m'en souviens absolument pas, quoi. J'avais pas été plus loin que le tuto. Enfin, si, un petit peu, mais... Je me souviens surtout du tuto, ce que je veux dire, plutôt. Ouais, mais je m'en fous de méditer, en fait, là. Je vais d'abord explorer la grotte et puis je méditerai après. Enfin, sur le retour, quoi. Parce que là, il est quelle heure, là? 10h30, loin d'être la nuit, là. Le chômage, quoi. De quoi, le chômage? J'étais au collège. Ou au lycée, peut-être. Bah. Bah. Mais rien. Bon, bah, je vais dormir, hein, du coup. Ok. Bah, d'accord. Bah, y'a rien. Et puis, bah, la queue entre les chambres. Bon, bah, hop. Feu de camp, je veux le feu de camp, voilà. Jusque la minuit, ouais. Non, crépuscule, non. Un petit peu après le crépuscule et un petit peu en minuit, voilà, parfait. Je vais allumer ces bougies, autre con. Merde, pas besoin de passer. Hop, Non. 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 Non plus. Non plus. Ah, c'est celui-là. Voilà. Oui. Oui, non, mais oui. Non, voilà. Bon. Bon, c'est dommage, je pensais qu'il allait avoir un monstre, mais peut-être une grotte plus tard. Une... Oh. Bah, bonjour. Et comment allez-vous, monsieur? Oh. Wesh alors. Wesh alors. Merci Bamba pour le resub. Ça me fait plaisir. Ainsi qu'à la méga forge. Dans ta mère. Parfait. Y'a pas de loot par contre. Ah mais c'est pas fini. C'est dommage que je puisse pas prendre ma garde pour taper avec. Ça aurait été rigolo. C'est bon? Wesh, pourquoi resub? Ça fait 6 mois que je paye en culé de Twitch. Pourquoi resub? I don't. J'ai pas tout get it. Mais merci. Le seul où le problème de la Make First, c'est une musique. Ah bon? Ah bah peut-être. Je suis là depuis le début, je m'en souviens pas. Ah si, ok, si, ouais, si, je me souviens. I remember maintenant. Ah bah non, je remember pas. Je remember tellement pas. Mec, je crois que c'était. Bah non, bah, j'avais en tête. Une musique à la con. Oh la baie. Oh, je vais te fumer la baie. Elle est où? Oh, viens là la baie. Ah, mais c'est épais là. Ça d'où il vient le enculé, mais il me tue. Bah c'est une... Attends, c'est pas dans Camelot? Je sais pas, j'ai pas tout vu dans Camelot, donc Mais je crois que ça vient de Camelot. Donc il m'a juste fait un coup de stress là. C'est vraiment, c'est tout. Putain, chacal. 7, bon bientôt 10. C'est pas le premier live. Livre. Oh peut-être. Peut-être, mais le premier livre, je l'ai vu il y a hyper longtemps. Et il faudrait que je regarde tout. Faudrait que je regarde tout le reste de Kaamelott plutôt. Faudrait que je me le refasse.
Peut-être mater ça après. Ah ouais, mais non, mais j'ai Watchmen à mater. Il sait pas remettre à plus tard, j'ai 80 Go de Watchmen sur mon PC quand même là. Et j'aimerais bien finir la série pour enlever toute cette merde. Oh putain. Alors c'est la merde. Alors je vais peut-être me... Oh là, je vais me faire fumer moi. Mange plus vite. Mange plus vite. Oh mais il y a des loups en même temps. Je fuis. I am fighting. I am in the fight. I am on the run. Attends, il y a que ça là. J'ai pas de vie. Va falloir que j'en fasse hein. Oh c'est la magie merde. C'est pas un mec qui est enfermé depuis 20 ans dans les jeux et qu'on a oublié de libérer. Ah mais je pourrais pas trop en discuter avec vous parce que vraiment j'ai quoi le temps zapper. Non, aïe aïe aïe. Aïe, arrêtez de me mordiller le cul. Ah mais ils vont vite en plus ces trous du cul. Ouais non non. C'est la merde. Ils me suivent. Ah bah attends, je vais tuer lui. Non! Tue-le! Mange des myrtilles. Mange une très très grosse myrtille. C'est pas une myrtille ça, hein? Je m'y connais en fruits, c'est pas une myrtille ça. C'est. Non, c'est pas. Non, c'est. Bah, de toute façon, c'est soit caméra à café, soit Camelot. Et un enculé comme ça, c'est forcément caméra. Camelot. Attends, c'est la merde, j'ai vraiment pas envie de crever. Les goûts là me terrassent. J'ai une endurance. Oh, mais attends, mais si je fais un petit coup de. Voilà, dégage. Elixir inconnu. Attends, augmente. Ah, mais putain, j'en ai. Putain, je cours. Tu peux dire rondelle, voilà. Mec, la goule elle a poussé à la muscu là. Ok. Fin de mandat, Russian. Ouais, bah ouais, Russian, il. Oh, je t'ai enculé, frérot. Russian, il le sait, mais je t'avoue que moi. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Moi, j'ai un peu oublié. Ok, donc le sang de goule, je vais me faire foutre. Génial. 10 têtes, ça c'est bon. Sur l'instant, j'ai cru que. J'ai cru aussi à Hitman le Cobra, mais c'est... Non, ouais, non, Hitman le Cobra, c'est pas ça. Ah ? Non, non, non. Non, y a pas... Oh, putain, mec. Non, non, ça me dit rien dans Hitman the Cobra. Bon, bah, les ghouls, ça fait peur et ça fait bobo. Bah, il est pas là, il est plus là, il a disparu, il est parti se coucher, Russian. Putain, mais mec, mais. Oula, oula, ouais, okay, oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, pas ça, ça, celui-là. Ah, celui-là. Pas plus de tabasse, voilà. Saloperie. Hop, je mets tous les petits feux. Merde, attends, je suis occupé. Voilà. Ok. Maintenant, on peut se la mettre. Bah, c'est plutôt simple. J'aimerais bien enculer la bête, si je puis dire. C'est quoi? C'est un petit singe. Oh. Bah, c'est pas un petit singe, ça. Mec, il y a un petit singe. Dis donc, c'est trop mignon dans la nature. Trop kiki. C'est trop kiki ou c'est trop kiki?
Allumer ça. Voilà. Hop. C'est quoi ça? Chasseur du roi, feu de camp, je m'en fous. Ah, il y a une goule. Je suis enragé. Oh, mais pardon! Oh, mais non! Oh, mais putain, mais c'est dégueulasse! Oh, je te déteste le jeu! Oh, ça y est, j'arrête de jouer de voiture. Ah, donc renversement, ça lui fait rien. Je note. Merde. Voilà. Bon, par contre, il y avait une goule à côté de vous, les gars. C'est pas ouf, hein. Vous arrêtez de faire gaffe quand même. Ouais. Moi, pauvre chien. Ah. Mademoiselle Vesna a des visiteurs indésirables. Essayez de me malmener. Vous verrez. Cette mégère. Et tu vas faire quoi avec tes bureaux? C'est pas Benoît Père. Qui? Plutôt mourir. Sorceleur, à l'aide! Dégage! Il y aurait un j'aurais mis l'eye tracker. Dur, hein. C'était pas sur son visage. Je vais montrer ce que c'est, un homme. Et si je vous coupais ce qui fait un homme? Il me tarde. Oh, ils sont beaucoup! Oh, ils sont beaucoup! Tu vas me payer ça. Vous prenez pour un dieu. Il me tarde. Ok, toi c'est bon. Voilà, toi je t'ai coupé les jambes. Tu feras crève, ordure. Et du coup c'est dans quoi Classius? Un joueur de tennis qui a dit ça avec une réaction d'un spectateur. Ah non, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas ça. Non, c'est clairement 100%, je suis sûr. On les voit bien. Ah mais là mon gars, on les voit bien ces gros polygones. Il est rentré chez moi. Bien, bien sûr. Ah bah j'ai enfin gagné un niveau, dis donc. J'aime bien que même les humains, ça doit être vieux restes. Hop, je ramasse tout, je regarde pas. Quoi, une tête? C'est où chez toi, BG? Eh, vous voyez son honnêteté, mademoiselle. Cabane de la sorcière. Porte de rien, dommage. Non, oh, mon bide, ça me lance. Maudite sorcière. Attends, j'aimerais pas rester trop longtemps avec elle. Parce que si elle se fait fumax, j'ai pas envie. Attends, juste F5, voilà. Non, putain. Fais voir la carte du... Mais putain, fais voir la carte du monde, là, vite fait. Bestiaire, glossaire, blablabla, personnage, m'en fous. La map. Chapelle. Maison d'Abigail. Taverne, crypte. Arendbrog, Mikouille. Neighbor, chapelle, maison du révérend. Bah, c'était qui? Vesna Hood. Elle est où ta maison, connasse? Y'a pas une quête? Du coup, j'ai une quête, non? C'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais ça, quand même. Ah! Par là. Tu. Oh, il reste. Ouais, on fout de tête où? On fuit! Ah! Et merde! Putain! Oh, ils vont me saouler! Non, laisse-la tranquille! Et merde! Non, attends, elle meurt pas! Not on my watch! Ah, Cuscus, dans mon petit bien, c'est passé pour eux! Ouais, c'était. Ouais, forcément, c'est bien qu'elle vote. Bon, bah, je vais me casser d'ici vite! Mais non! Mais non, ma sauvegarde! Mais j'en ai fait une après! Mais non! Mais j'ai le seum!
putain, mais je suis. Mais j'ai la gigaine. Mais mec, mais j'ai fait une sauvegarde après. Oh, c'est dégueulasse. Hop. Merde. Oh putain, hey, mec. À volo, y'a rien qui va là. Oui bah non, pas n'importe. Mais mec, mais attends, mais j'ai vu une... Eh mais j'ai le seum. Putain, mais j'ai fait F5, il a enculé ma sauvegarde, le bâtard. Un mec avec le roi Arthur en haut d'un rempart, il passe sa tête dessus bien avec un enculé. Après, il a soir trop content de lui. Ouais bah ça m'étonne pas. Ah hop. On va tout me refaire, c'est bien grave. Ils sont où les autres? Y'en a qui... Voilà. Attends, mais du coup, j'ai aucune tête. Ah, j'ai que deux têtes, putain. Fais chier. Voilà, hop. Bah ça, si je fume les goules en plus. Ah non, c'est même pas la signe. Oui, oui, je sais. Je sais, mais dégage. Ouais, je sais pas. C'est... Non, hop, c'est plusieurs esquives. Ouais, plusieurs esquives. Ah, c'est rigolo ça. Alors, faut taper par contre. Voilà. Voilà, hop, c'est fait. Hop. Hop, je prends. Et hop, je prends. Alors elle est où la gueuse? Ah mais faut que je me fasse la goule avant. Oh, putain. Hop. Y'a pas de chien, y'a pas de chien. Mange-toi un petit coup. Oh je l'ai fait tomber. Oh. Oh trop stylé. Oh putain ça OS. Ah non. Ah putain mais ça OS, mais c'est trop bien. Mais mec, mais c'est génial. Moi c'est génial. Bon bah faut que je refasse ça. Attends, je peux sauvegarder. Hop, sauvegarder. Voilà. Non, j'allume d'abord. Va te faire foutre. De quoi parade? Non, 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 tu ne pars pas, tu meurs. Arrête de me grignoter, s'il te plaît. Putain. Je fais de la merde. Voilà, c'est bon. Je sais plus quand est-ce qu'il apparaît, la bête. Pour la petite histoire, prendre l'épée à l'envers pour mettre un coup comme ça, si c'était un marteau, ça se faisait beaucoup au Moyen-Âge. Et pas avec des gants en cuir. Oui, oui, oui. Ouais, non, mais ça, je savais. Taper avec... avec l'autre côté de l'épée, ça se faisait beaucoup. Parce que ça faisait plus mal. que d'essayer de transpercer. Transpercer. Juste en fait. Hop. Mange un pain entier. Hop. Ah mais elle est là. Merde ça marche. Vous pouvez plier l'armure en acier qui peut même... Je suis en train de me chier dessus. Vous pouvez plier l'armure en acier qui peut même amener les lésions internes plutôt que d'essayer de... Ouais ouais ouais, ça sert à rien d'essayer de couper. Putain elle veut pas tomber la pute. C'est plus pour les mecs en armure à tenir les pinces. Ouais ouais ouais. Oh. Dans ta mère. Et non, je ne tuerai pas chien enragé. Voilà, hop. Sniff, regarde ici, sniff, sniff, sniff. Ça rappelle la tenue mordo. La tenue mordo comme le juste. Ah d'accord, ok, ok. Vous verrez. Je disais, ah, mordo, le jeu, mais oui, 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 ok. Vraie tenue. Ok. Vous vous prenez pour un dur. Regarde-moi cette démarche, Gérald. Il me tarde. Démarche, j'en ai niqué ça.
Sorceleur, à l'aide! Help me! Dégage! On te cendra. On fait moins le dû. Je vais te montrer. Et si je vous coupez le sexe, la zizette. Ok, alors je les ai tous rafalés. Le gros d'abord, le trash ensuite. Ah mais j'ai tout fumé déjà. Il me tarde de culbuter. Ah ça marche dans la vraie vie aussi. Au bar, info sûre. Ça marche, tout le temps, 100%. Vous voulez bien m'aider à rentrer chez moi ? Bien sûr. Alors, hop, tout prendre. Et il faut que je mange. Oh, je peux prendre leur masse. Bah, pourquoi faire ? T'en as fait un plein ? Un chauffon téméraire. Masse lourde. Ouais, m'en fous. Attends, alors, prends une petite bière, petit binouze. Et manger un peu de Sky. Voilà. Ensuite. C'est parti. Follow me. You be chess N-word. Je sais pas si c'est. Eh, mais. Au moins je peux tuer le danger. Est-ce que je l'ai paré avec le. Mais c'était trop stylé. SCTP. Elle s'est téléportée. Ça m'a un peu terrifié dans le dedans. Je m'attendais pas à l'avoir derrière moi. Ok, de toute façon le. Tonneau. Pas tonneau. Pas tonneau. Mais non, merde. Mais non, oh putain. Bon, je vais sauvegarder. Ah, fais chier, je prends cher quand même, je prends cher. Après, je fais pas gaffe aussi. Ah, mais vas-y, j'aime pas les missions de d'escorte. Sauf quand c'est pour niquer. Ah, c'était là, ok, d'accord, super. J'ai pas l'impression de pouvoir sauvegarder en combat, genre... ça marche ? Ah non, ça a pas marché. En combat, ça marche pas. Tu peux pas F5 en combat comme un gros enculé. Non, mais c'est parce que tu dois pas pouvoir la niquer, hein, MTE. Hein. De toute façon, faut que je revienne en ville, donc je vais la faire, quoi. Non, je vais la protéger. Oui, bah oui, ça va. Oh, j'ai checké normalement si... Ah bon ? Ah, mais je lui ai parlé comme une merde aussi. Bah, je la niquerai pas. Dommage, j'aurais dû juste lui sortir. Elle est en train de se faire la goule. Elle est si mignonne. Mec, Vesna a des visiteurs indésirables. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu, il est en train de chier. Mais laisse-moi te sauver, frérot. Vous vous prenez pour un dur. Mec, le jeu, il fait ce qu'il veut. Mec, alors si je la gagne pas, vraiment, c'est un problème. Rentrer chez moi. Mais tu vois pas qu'il y a d'autres soucis là à l'instant T? Genre une goule, des connards, wesh. Oui. Bien sûr.
Ah, tout le monde est mort. Bon bah... Okay. C'est dur la vie de soldat. C'est dur tout court frérot, c'est ce que je veux dire. Bon bah je vais essayer mais... Enfin la goule. Mais je pense pas que je vais pouvoir la Kenny hein. J'aimerais bien mais je pense pas. Je suis là, faut que je fasse tout ça mais c'est chaud. En plus j'ai plus de vie là. Mais t'as quoi envie toi? Les filous obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Je vais te fumer. Et pas comme t'aimes. Le truc c'est que je peux même pas prendre l'aggro et juste fuir. Parce que du coup c'est elle qui va avoir l'aggro. Et qui va devoir combattre et qui va se faire fumax. Ça c'est casse-couille. Non mais... Je vais... Désolé, hein, je save scum un petit peu, mais j'ai pas trop le choix. Ouais, du coup, je save scum un petit peu. Ah, c'est un singe. Ah, c'est pas trop un singe, ça. Bon, ça va enfin que je les déboîte. Hop. Oh mais ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ok. Tu m'aides pas toi hein. Chacal va. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah. C'est les Cerbères. Oui. Ils ont déguerpi. Oui. Ok le jeu. Je suis à combien? 8 9 et 10, ok c'est bon. Alors attends, parce que là j'ai niveau supplémentaire, comment ça marche? Ok, 15 000? Mais comment ça marche? Comment je fais pour me mettre des trucs? Comment ça marche? Je comprends pas. Bah, j'ai des niveaux en plus mais j'arrive pas à les foutre. Ouais. Je ne comprends pas. Non? Marche comme ça? Il faut que je remplisse tout avant. Je suis en blanc. I don't get it. Bonsoir. Continuons. Peut-être pour ça que je prends cher. Ah, peut-être en dormant. Il y a moyen. Peut-être qu'en dormant, je vais pouvoir augmenter mes PV. Enfin, mes PV. Mettre mes points de compétence. C'est bon, on est bientôt arrivé là. Putain. Ah, bon, bah attends, hop, j'allume ça vite fait. Voilà. Donc, hop, tu meurs. Voilà, dégage. Non, ah non, non, c'est pas fini. Mais... Oh là là, le jeu il se galère, poteau. Voilà. Ah putain, encore. Ils nous ont attaqués. Comme si quelque chose les commandait. Tiens. Presque. J'ai 10 têtes. C'était plus très loin. Voilà. Barbizi. Ah putain, c'est ça qu'il faudra que je foute. Note à moi-même. Mettre un VLC. Tu retiens? C'est merde. Ah non hein. Oh putain.
Alors si je meurs en cinématique. Nous y sommes. Putain. Comment vous remercier? J'aimerais vous revoir. J'aimerais vous revoir. Je vis avec ma vieille mamie. Et je veux pas la contrarier. Oh, je serais discret. Qu'est-ce qui pourrait la choquer? Tout, à part prier ensemble. Mais je connais un vieux moulin. Le buzz. Éloigné de tout et calme. Exactement. Mais on dit qu'il est hanté. M'en fous. Les fantômes n'oseraient pas déranger un sorceleur. Et les villageois ont trop peur pour s'en approcher. Alors, on dit demain après le coucher de soleil. Oh, je dab. Et je me charge du manger. Oh, qu'est-ce que tu vas manger? T'inquiète pas, poteau. Par contre, si vous pouvez te crever... T'es rentré chez mamie, hein? Rentre chez mamie! Tu rentres chez mamie! Voilà, t'es rentré chez mamie, hein? C'est bon? Je dabais aussi, t'inquiète. On a tous dabé. Ok. Ok. Ça va, si on te baise en plein combat? Ouais, bah, une soirée au bar. Non, elle est pas morte, elle est rentrée chez mamie. J'habite tout bien. Tête de loup, je m'en fous. Ah si, prendre le croc quand même. Parce que de l'alchimite. Oh, du sang. Non, je prends les fans du 1 qui trouve le 3 trop puritain. Merde. Ouais, bah, c'est... Là encore, c'est vraiment une question de point de vue, quoi. Genre moi je préfère l'esthétique du 3. Je parle pas des graphismes, hein. Vraiment l'esthétique en elle-même. J'ai du vin. Ouais, j'ai du vin. Non mais vraiment l'esthétisme du 3, je le préfère. Il est un peu plus coloré et... Enfin, moi, il me sied un peu mieux, je trouve. Après, au niveau des quêtes et de l'écriture, j'ai fait le 3 en France. Enfin, j'ai fait le 3 en français, je crois. Et j'ai préféré... Enfin, pour l'instant, je préfère quand même le 3 au niveau d'écriture. Après, oui, bon, pour les chamblards, classique, toujours au rendez-vous. Mais bon, ça rentre pas vraiment dans ma notation d'un jeu. Attends, juste, elle est pas morte, hein. Mamie, elle est où ta fille, mamie? Vesna est endormie. Elle m'a dit okay. Que tu l'avais aidée. Ok, c'est bon, parfait. Merci. Mais lui, les décors en général du 301, ouais, bah ouais, c'est ça, quoi. Et l'écriture des personnages... En plus des quêtes et tout, je la trouve bien meilleure dans le 3, en tout cas bien plus prenante. Même si on verra bien au prochain stream, hein, plus j'avancerai. Mais j'ai ma récompense, ok. Hop. Oh putain. Okay. Ça vient d'où l'expression les chomblards en vrai? Je me souviens plus, poteau. Une expression à la con. Qu'on apprend en vue quelque part, je crois. Et puis on l'arrange à notre sauce. Oh. Ça? Mec, même la paysanne de base, elle a des... Ça me sidère. Non, c'est les tchouches. Les tchouches, ça a toujours existé. Mais les chomblards, je crois que on l'a vu quelque part et on a vu un truc quelque part. Et on a mis ça à nous tous. Oh, ils me cassent les couilles tous. Ah bah... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît.
Ah, ces expressions que nous avions entendues. Mais vous êtes en chien parce que les chinois sont pas encore arrivés. Non, mais surtout que j'ai pas encore fumé la bête. Et je sais pas, je sais plus comment on fait. Déjà, j'ai allumé tous leurs trucs à la con là. Je sais même plus qu'on pouvait. Enfin, je crois qu'on pouvait sauter. Genre, passe au-dessus là. Mais bon, ça m'a l'air d'être fin de map donc. Oh ta gueule. Ah putain, non, attends, il va filmer encore des habitants. Merde, trop rapide. Ouais. Ça va pour l'instant, vous kiffez ou quoi? Enfin, pour l'instant. Bientôt couper le stream. Enfin, pas tout de suite, mais. Pas longtemps. Vous kiffez ou quoi regarder du The Witcher 1. C'est bon, The Witcher 3, je saurais pas vous êtes problème, mais The Witcher 1, bon. C'est un hasard, le jeu, toi, tu l'apprécies? Ah bah, carrément. Même si c'est crispy, ça fait un peu mal aux yeux des fois. Franchement, c'est pas dégueu, hein, moi j'aime bien. J'ai pas 12 heures pour rien dessus, quoi. Non, je veux ça. C'est quoi ça? Argent et... Ok. Oh merde! Putain! J'aime pas tuer les chiens comme ça, là. C'est Lilia, c'est cracra. Faut pas de mal aux chiens. Ni aux chats. Faut pas de mal aux animaux. Nique ta mère. Reste. Donne-moi ça. Bah, le jeu est cool, en vrai. Les visages sont bien faits. Mais c'est comment, en fait, le gameplay du... Bah, en gros, ouais. C'est un rythme game. Je clique une fois, j'attends qu'il y ait un clépé en feu s'affiche, je reclique jusqu'à temps que je tue l'ennemi. Oh, mon bide, ça me lance, maudite sorcière. Après, je peux aussi. Après, je peux aussi faire ça. Clic droit pour faire des sorts. Et voilà, c'est le plus dans le gameplay. Simple, efficace. En tout cas, bah, je suis content si ça vous plaît. Bah, j'en referai, alors je sais pas quand. Vu que... au lundi, oldie, je dois faire The Witcher et les et un dernier Splinter Cell. On va dire que là, je... Mon tableau est bien fourni. Oui, c'est pas des sorts, c'est des signes. Excuse-moi, pareil. C'est pareil. Exact comme Naruto. Okamaru no Suzuki. C'est pas putain de pareil, je sais, je te taunte, je sais. N'a pas fait faire les baguettes, je dois retourner voir le révérend. Classique, comme si Dieu existait, d'ab. Oh poulet, ah non. Un voyageur. À cause de cette maudite peste, okay. Impossible d'entrer dans... Vas-y, je vais en faire gaffe, c'est wild là en ce moment. Oh, si je fais signe, j'arrive à rendre tout le monde que je vise en colère. Ah, mais c'est ça de faire des saluts nazis aussi. Non, mon bide, ça me lance. Mec, cette VF. Ah, mon bide, ça me lance. Oh, ce que j'ai mangé. Oh là 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 là. Oh, je vais chier. Merci, Twitcher. Abigail, réveille-toi. Ça alors, un sorceleur. Bien tu ressembles bizarrement à la meuf que j'ai trouvée tout à l'heure. De nombreux clients réclament des fantaisies que je refuse de satisfaire. Je suis une sorcière, pas une putain. Alors que pourtant... Ne crains rien. Je ne suis pas une méchante femme. Il se remettra. Alors ouais frérot. Bon bah je reviendrai plus tard. Qu'est-ce? Todo? Y'a pas d'indice pour que... À quoi peut bien servir cette poupée? Ça ressemble à quelque chose d'humain. Fait d'oacume et de cire. Je me demande dans quel but ça se réutilise. Pour faire grandir le pénis et faire revenir l'amour à l'être aimé. Et il commence à me saouler ces vergestes. Hein. Je vais aller voir le révérend. Normalement, en pleine nuit, dans la nuit, je peux. Ah, mais il est parti à la taille à voyage.
Et merde. Mec, oh là là, le fait que tout le monde puisse se faire buter comme ça gratos, ça me fait rien. Non, mais fou quête. Ouais, mais faut attends, je vais sauvegarder déjà. Vous inquiétez pas, il y a énormément de sauvegardes, mais je vais tout clear après le stream. Hein. Parce que moi aussi, ça me donne l'urticaire un petit peu de voir ça. Voilà. Dans Witcher 3, c'est pareil, sauf que ce sont des sacs à PV. Ouais, mais... Non, dans Witcher 3, c'est pas du... Enfin, de quoi tu parles, c'est pareil. Et tu sais, elle prend autant que le Père Noël. 50 balles. Oh, ça va, c'est pas cher. Parce que si tu parles du combat, c'est complètement différent sur The Witcher. Hein. Tuer tout le monde. Ah oui, bah ça... Mais encore sur The Witcher, je l'ai pas trop ressenti, hein, enfin sur le 3. Genre, enfin quand t'as des gros monstres, souvent t'as... Merde, c'est pas le bon chemin. Souvent t'as pas vraiment de monde à côté, ou soit s'ils sont déjà morts. Parce qu'il y a personne, enfin dans le nord, il y a personne qui habite dehors. Tout le monde habite dans les grandes villes. Mmh. Ça va? Par là. Ouais, ah, du coup, ça c'est des points que j'ai pas vu. Je fais ça parce que j'ai pas la touche. Ça c'est des points que j'ai pas vu. Ah, hein, que j'ai pas fini plutôt. Attends. Compétence au scénario. Ah, d'accord, oui. Alors, attends, faut que je juste regarder vite fait. Hop. Alors, violence sur un personnage, je m'en fous. Exir, je m'en fous. Du combat, je m'en fous. Pugilate, je m'en fous. Mm-hmm. Prendre objet, pause, méditation. Ah, d'accord, c'est que dans le dialogue. Je peux pas mettre. Je peux pas faire méditer tout seul. Ok. Ah, ouais, mais j'en fous de ces restes là. C'est quoi ici? Porte voyez. Ouais, c'est poulailler quoi. Oh, mais casse-toi, toi. Ah, voilà. Je suis sûr que ça me donne même pas autant d'XP que ça. C'est pas là? Oh, des points protégés. Bon, je pense que je vais parler au révérend. Ah si, je vais quand même essayer d'aller niquer. Bon, je parle au révérend, méditer jusqu'à demain soir. C'est en quête ou pas d'aller niquer? Merde! Attends, elle avait dit où? Elle avait dit où? Au moulin. Ah, j'ai eu moulin. Moulin rouge. J'aimerais bien... Ouais, ouais, je vais aller parler au révérend. Dormir 24 heures. Oh putain. Et vous me cassez les couilles. Voilà, laissez-moi tranquille. Et puis après, je couperai le stream. Et du coup, pour ceux qui sont encore là, je le redis, hein. Vendredi, enfin, je restream vendredi pour ma part. Je continuerai The Sinking City. Je pense pas le terminer vendredi, hein. Il reste encore quelques bons streams dessus. Mais bon, voilà, on fera ça. Et puis je dirai après qui c'est qui stream demain. Bah, cette chasse au monstre se passe relativement bien. Genre, sur 10, 7. Sur 10, j'ai niqué, je vais niquer deux fois là. Donc, franchement, ça pourrait se passer pire. Je vais économiser davantage.
Non, on va pas Pumpkin Kids, faut arrêter. Déjà, j'ai pas de munitions. Et les seules munitions que j'ai, elles vont dans des trucs indicibles que je ne peux pas décrire. Mais j'ai un peu hâte de savoir... Enfin, de continuer l'aventure. Parce que... Oh. Mais non, non, non. Parce que... Merde. Le jeu est très intéressant, je trouve. Enfin, je sais que c'est des ennemis à... Ah, merde. Je sais que des plus ou moins des ennemis à B4. Mais moi, j'aime bien. J'ai fait briller le feu éternel. Ah, je le trouve bien, je trouve c'est un bon jeu. Monstres nuantes. Il y a des problèmes, mais c'est un bon jeu. Je vous avais dit que ça ne me suffirait pas. Où est mon salaire ? Ça dépend qui après. Bah là, c'est Triss. Ensuite, c'est une gueuse au balcon, bien généreux. C'est la faute de cette sorcière d'Abigail. Quelle horrible femme. Elle pourrait peut-être nous renseigner. C'est elle qui a attiré la bête et tous les autres fléaux. Voilà, tu mens. Admettons. Mais je préfère quand même lui parler. Praise the sun à peau. Connard. Traquer la vérité. Si vous voulez, pour 300 orins. Notre communauté n'est pas riche. Je vous en offre 2. Tu veux négocier ? C'est d'accord. Ok, bah non. Ouais, tu peux négocier. C'était une blague sur Dark Souls, espèce de trou du cul. Ah, donc là, je me fais aggro à la sortie. Ok, donc comme au collège. Let's go. Zing City, il est éclaté sur la gunfight, des enquêtes sont super basiques. Bon, je trouve pas. Je trouve que t'as tort à qui de la merde, Hoffman. Je trouve que les enquêtes sont faciles, certes, mais pas inintéressantes. Et les combats, je les trouve relativement cool. C'est pas Call of, mais c'est pas de la merde non plus. Alors, j'aimerais bien trouver un feu. Je pense pas que je vois pas le rapport avec le feu éternel. Ah, c'est juste une vanne de merde. Pas de rapport. Je réponds pas à un mec qui en chie. Mais de... qui sait quand on chie sur Splinter. Qui sait quand on chie sur Splinter Cell, espèce de mytho. Je dose chacun des Splinter Cell. Quand tu veux, où tu veux. Mais sur la mission finale U1, j'avais une munition pour 15 mecs. Newton, que j'en chie. Et en même temps, en plus, la fin était buggée. Voilà, tu dis pas tout, tu mens, voilà, classique. Menteur, va. Enfin, viens. Bien entendu que c'est la faute du jeu. Et puis le mur, les murs, bon, c'était pour le goût, c'était pour la rigolette. La rigolette. L'humour, la blague. Le ha-ha. Sacerdoche, tu sais, tu vas se débarrasser du premier étage. Alors déjà, moi, j'ai vu au second. Donc, voilà, tu vas te calmer. J'ai envie de faire des vannes, mais on... Ah, je vais être gentil, je vais pas le faire. Okay. Oh putain, encore. Bon, merde. Faut que je te parle, sorcière. Si je peux roupiller, je roupille jusqu'au matin. Sorcière, t'habilles. Putain, ils ont changé de lit. Ils ont changé de lit en 2 heures. Ah. Que puis-je pour toi? Alors, vite fait, je vais me reposer. Mais ça, je crois que vous pouvez le faire tout seul, c'est bizarre. Roupiller dans le cul. Non, juste dans le cul. Et dis donc. Je vais me mettre là. Je vais faire ça. Je vais parler à la meuf. Ensuite, je vais aller au moulin, voir si je peux niquer. J'espère que je pourrai niquer. De quoi tu dors à 17h? Non, tu t'es cru étudiant ou quoi? Que puis-je pour toi? Frérot, debout. Viens la bête. Pourquoi me demander ça? Les sorcières sont versées dans les arts de la magie, non? Effectivement. Hein?
pute. Pourtant, cette bête dépasse mes compétences. Mais il y a quelqu'un... Qui ? Le petit Alvin. C'est une source puissante et un devin. Il nous dira ce qu'il sait si on lui fait boire une certaine potion. Tiens, tiens. C'est dangereux pour lui. Forcément. Ne t'inquiète pas. Apporte-moi les pétales de 5 myrtes blancs qui poussent à l'extérieur. Je suis un sorceleur. Tu auras tes réponses. Je ne suis pas... Si tu ne connais rien aux plantes, un potager. Je peux te vendre ce livre. Donc là, je veux... Mec, c'est encore le tuto, hein. C'est littéralement encore le tuto, là. Non, par contre, j'ai pas fini. Que puis-je pour toi ? Non, c'est vous qui avez invoqué la bête. Le révérend croit que c'est vous qui avez invoqué la bête. Et toi ? Qu'en penses-tu ? Je ne suis pas fixé. Quelle est votre version ? Je n'ai rien à voir avec ça. Ok. Ok, innocent. Non, par contre, tu me casses les couilles à te recoucher, là. Que puis-je pour toi ? Allez, file-moi des orins. Ah. J'ai trouvé votre message. Tu as les crânes de Barghest ? Oui. Oui, si vous avez l'argent. Give me the coin to your witcher. Et prends cette racine de Mandragore. Ah, ouais, elle te sera utile. Pour avoir une gaule gigantesque. Puis-je poser une question ? Oui. Est-ce que votre magie viendrait à bout des chiens ? Est-ce que votre magie viendrait à bout des chiens ? Voilà, dis-nous tout à l'heure, c'est con ça, le jeu. Un glaive n'y suffirait pas ? On dit que les sorceleurs en ont deux. Un en argent pour les monstres et un en acier pour les humains. Alors, les deux sont pour les monstres. À ce propos. Et il me manque celui en argent. Voilà. Je connais un onguent. Si tu en recouvres ta lame, tu infligeras d'importantes blessures, même au spectre. Ce sera 30 orins pour la formule. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que je vais en avoir un. Je vais en avoir une de lame en argent. Du coup, ça prendra juste un peu de temps. Donc ça sert à rien que j'ai une formule quand j'aurai... Est-ce que ça vaut que je prenne 30 orins ? Non, je ferai pas la baiser quand j'aurai payé. Peut-être une autre fois. Que puis-je pour toi ? Faire juste les marchandises, vite off. Plante sauvage. 200 balles ! Repoussant les noyeurs. 400 balles ! Mais tu m'as pris pour Crésus ? Et ta véracité de Mandragore, tu me la vends un, là. Non, mais oh. Mais c'est quoi, cette arnaque ? Sale pêtre. Sale pute, ouais. Allez, dégage. Alors, maintenant, sauvegardons et allons baiser. Et ça sonnera à la fin du stream. Where is the Kini ? Alors, je suis là, et il faut aller là. Comment je vais là ? Non, par contre, comment vraiment ? Comment je vais au moulin ? Moulin rouge. Attends, il est bien 17h. Merde. 21h, mais faut que je me dépêche. J'aimerais bien y aller. J'espère que c'est pas lock. Enfin, genre qu'il faut pas faire un truc spécial avant. Pont de marchand. Alors. Je suis où ? Je suis là ? Ah, c'est juste en contrebas. C'est par là. C'est quoi ? Ouais, c'est bon, vas-y, je me casse. Oh là là, il y a plein de monde. Attends, est-ce que je peux me faire des marcheurs là ou pas ? Oh, des noyards plutôt. Ouais, je vois, ça va. Ah oui, ils prennent cher en fait. Ah, c'est tranquille. Je pensais qu'ils allaient me démonter le cul. Mais non, ça va. Ah, par contre, pas de reste. Ah, si, il reste. J'ai l'impression que le jeu, il a quand même l'air plus facile. Hein. Genre là, en normal, c'est tranquille, tu vois. Enfin, pour l'instant. Alors que des noyadés slash noyeurs dans The Witcher 3, ils t'enculent, hein, les mecs. Ils attendent pas. Hein. Non, personne. Maison d'Aringborg, moulin. C'est pas loin. Putain. Enfin que j'ai besoin de cadavres, parce que sinon, tu pourrais te faire foutre. Hein.
Voilà. Tu peux. L'adresse SVP. Putain, il y a pas de reste. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non! Ah non. Y'a rien là. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain? Lui raser la barbe, que ça peut te faire? Je vous conseille de partir. Est-ce que. Mais si, c'est mon bro! Un défenseur des. C'est Zoltan, non, non? Rengainez votre arme. Non, c'est ça, non? Vous le regretterez amèrement. Tuez cet hérétique! Bon. Vous l'aurez voulu. Bah ouais. Quand j'en aurai fini avec toi, on pourra garer un carrosse dans ton cul. Si, j'ai l'impression que c'est Zoltan. En tout cas, j'adore la VF. Tu vas mourir. J'ai pas, même j'ai pas le temps de voir. Merci de m'avoir débarrassé de ces chiens. Mais... Si, c'est Zoltan. Que je sois foudroyé sur place. Bon, c'est je le préfère dans le 3, sa gueule. Un vrai sorceleur. Il meurt, il ressuscite. Oh mec, la gueule qu'il a, c'est terrifiant. Et il me demande si je vais bien. Qui êtes-vous? Vous l'avez? Je suis ton ami. Zoltan. Garde un carrosse dans le cul, j'aime bien, je vais regarder celle-là. Tu me fais chier, je vais te garder un carrosse dans le cul. Je suis heureux de te revoir. Oh mes jambes, oh, attention. Vous ne comprenez pas, j'ai perdu la mémoire. Tu sais quoi, Gérald? Allons boire une bière et puis tutoie-moi. Attends, mais j'ai d'autres choses à faire, frérot, là. Éclaircis-toi les idées et certains souvenirs te reviendront peut-être. Quelque chose ne va pas? Mon ami devait me retrouver dans ce village, mais il n'est jamais venu. Tu penses qu'il a eu des ennuis? Ça ne me surprendrait pas. Il est avec les écureuils et s'occupe du ravitaillement avec les avecars. Les écureuils et les avecars? Aucune idée de ce que tu parles. Les écureuils sont des non-humains qui réclament la liberté et l'égalité en tuant des gens dans la forêt. Et les avecars sont des marchands qui vendent des armes aux écureuils. Mm-hmm. Je vois. Je ne suis pas le bienvenu ici. La rumeur veut que les non-humains soient responsables de la peste et de la bête. Ah, rien que ça. D'autre temps, je serai en train de chercher mon ami. Je te préviendrai si j'apprends quelque chose. Merci, mon mais ami. Mais du coup, tu sais quoi? Parce que... Attends. Ouais, continue de parler quand même, finir le dialogue. Je compte ouvrir un commerce. Je vais vous filer la carotte. C'est que, au prochain stream, on nique. Les Breckenridge veulent... Ah ah, hey, comme ça, je vais dire sur la base. Et oui. Intelligent et malin, malin. De Mahakam. Il y a de l'argent. Faux, les écureuils sont des rongeurs qui grimpent aux arbres. Roux et très mignon. Tu mens. L'argent est fait. Sale nain. Et tu avais du talent pour ça. Grand homme, c'est un mytho. Non, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Comment vas-tu? Je compte ouvrir un commerce à Vizima, en apportant des marchandises. Les Breckenridge? Je compte épouser. Au prochain stream, on nique, tu m'as vu qu'une fois que t'as niqué dans ce jeu, t'as plus ou moins niqué tout le monde. Non, 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 c'est pas pareil. Tu te tais, Hoffman, tu niques pas mon plan ingénieux. Revenez, s'il vous plaît, je vous supplie. Parle-moi des écureuils. Ces petites frappes non humaines, gavées de lectures romanesques, luttent pour des idéaux à la noix. Pendant la guerre contre Nilfgaard, Emfyr les a manipulés. Plan 3D Q, ouais, oh, c'est le mien, à moi tout seul, et je l'aime, c'est mon plan. Voilà. Je dois partir. On se revoit plus tard, mes amis. Attends, juste les fouiller quand même avant. Tiens, jeu de dés. Non, je sais pas si vous les voyez. Ah, eux, c'est des racistes. Non, c'était des restes. J'ai vu. Bon, en tout cas, moi, je vais couper là-dessus. Au prochain stream de The Witcher, on niquera. Bon, je sais pas ce sera quand, mais ce sera. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Hop. Puis moi, je vais faire des bisous, hein. Hop. Voilà. Oh, pour la route. Hop, ça, je fais un petit son. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Merci pour les resubs. Ça fait énormément du plaisir dans le dedans. Et hop, YouTube, voilà. Amenez la vaseline. Va falloir. Du coup, je vais juste vous dire qui c'est qui stream demain avant de couper quand même.
Alors demain c'est Russiane qui streamera roulement de tambour avec les mains MP3. Ouh loulou. Ouh oh là là. M guess quoi. Tiens tiens tiens. Hop. Là, pas attends ouais oh. Voilà. Moi du coup je vous fais un cuscus. Et puis bah à demain sur le chat hein, et puis à vendredi sur le stream.